Allez, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci. Nous allons entamer cette séance de conseil municipal donc du 12 avril 2021. Je vais demander à monsieur le directeur général des services de bien vouloir faire l'appel, s'il vous plaît. Monsieur Ravier, Madame Baudu-Lamarque, Monsieur Mandon, Madame Berthoux, Monsieur Alix, Madame Glandier, Madame Sève, Madame Reynaud, Monsieur Guidoum, Madame Cady, Monsieur Moulin, Madame Aksu-Gérisit est absente, donne pouvoir à Madame Lutz, Monsieur Rayman est absent, donne pouvoir à Monsieur Portier, Madame Gavel, Monsieur Gibert, Madame Meunier est absente, donne pouvoir à Monsieur Froment, Monsieur Ham, Monsieur Giffon, Monsieur Chauma, Madame Genard absente, donne pouvoir à Monsieur Chauma, Monsieur Alombert, Madame Montagnier, Monsieur Lissy, Madame Lebaille, Madame Pittet, Monsieur Flory, Madame Lafaïs, Monsieur Lièvre, Madame Cour, Monsieur Espaza, Madame Dubostival, Monsieur Froment, Madame Parlier, Monsieur Perru, Monsieur Jambon, Madame Blanc, Monsieur Ronzière, Madame Lutz, Monsieur Portier. Merci. Il convient de nommer un ou une secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a un ou une volontaire? Ah, j'en ai deux pour une fois. Vous abandonnez, Madame Reynaud? Ce sera Madame Cour donc, qui sera secrétaire de séance. Merci, Henriette. On garde le nom de Pascal Reynaud pour la prochaine séance. Le premier point appelle l'approbation du procès-verbal de la précédente séance. Est-ce qu'il y a des observations? Oui, Monsieur Chauma, je vous en prie. Oui, bonjour Monsieur le Maire, bonjour chers collègues. Juste une petite question suite à ce compte-rendu qui portait essentiellement sur l'extension de l'exploitation des gravières. On a vu que la prochaine étape de ce dossier-là, ce serait la modification du PLU. On a vu aussi que ça posait un certain nombre de problèmes qu'on n'avait pas pu examiner parce qu'on était un peu pris par le temps. Vous avez dit lors du débat d'orientation budgétaire que on allait se poser des questions au niveau du SCOT et qu'il y aurait une commission générale. Alors, est-ce que pour examiner tous ces points qui concernent largement l'évolution de la ville, et je pense notamment au SCOT et au futur PLU, on ne pourrait pas, plutôt que d'avoir simplement une commission générale, avoir plutôt deux ou trois temps pour qu'on ait le temps réellement de comprendre les sujets, de se les approprier et d'en discuter jusqu'au fond avant qu'on puisse les voter? Merci. Je tournais la tête vers M. Pascal Ronzière qui a opiné du chef. Donc, si vous voulez, on fera deux temps, un temps de présentation puis un temps de discussion après, si vous le voulez bien. Pas d'observation par contre sur le compte-rendu, donc hein, c'était. D'accord. Très bien, je le soumets aux voix. Des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité. Merci. Le premier rapport concerne le rapport 2021 en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Et je donne la parole, c'est Madame Lutz qui débute, je crois, et Madame Parlier qui complète. C'est ainsi? Allez-y. Tout à fait. C'est bon pour. Bonsoir à tous. C'est effectivement moi qui prends la parole en premier et je la céderai à Frédéric pour ce qui est des bilans des actions conduites dans notre collectivité. Donc, comme tous les ans, je vous présente ce rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de notre collectivité. Une première photographie tout de même de notre collectivité pour rappeler que la pyramide des âges montre que ce sont les 50 ans et plus qui sont le plus représentés, ce qui fait que nous avons des enjeux pour l'avenir, hein, les départs en retraite qu'il faudra prévoir. Mais c'est ce qui se fait depuis quelque temps. Nous pouvons également noter, et c'est important, que notre collectivité, sur 508 fonctionnaires, nous avons 48% de femmes et 52% d'hommes, ce qui ne représente
qu'une vingtaine de personnes d'écart. Donc, ce qui est très peu, nous pouvons quand même nous en féliciter. Les hommes et les femmes ont toutes leurs chances à Villefranche. Pour ce qui est des contractuels, il y a 14 femmes et 19 hommes. Donc là aussi, lorsque l'on est contractuel à Villefranche, on peut être homme ou femme. Il y a très peu d'écart. Et pour ce qui est fonctionnaire et contractuel ensemble, il y a 276 femmes, 265 hommes. Vous voyez que la parité est très proche de 50%, puisque nous avons 49% d'hommes et 51% d'hommes. Pour ce qui est des statuts, donc, nous avons 5% de contractuels au sein de notre collectivité pour les femmes et 7% pour les hommes. Par catégorie hiérarchique, puisque vous savez qu'il y a la catégorie A, qui représente 37% de femmes et 20% d'hommes. La catégorie B, 39 femmes et 35 hommes. Et la catégorie C, 200 femmes et 210 hommes. Nous notons donc que les femmes sont largement représentées en catégorie A et que la parité est pratiquement respectée en catégorie C. Seule la catégorie B représente un tout petit écart supérieur avec un petit peu plus de femmes. Nous pouvons rapporter cela au niveau national et voir que nous sommes légèrement en dessous, mais parce que nous avons une parité beaucoup plus proche des 50%, le taux de féminisation est plus important au niveau national. La répartition par type de temps, les temps complets sont entièrement occupés par les hommes occupent entièrement des temps complets, pardon, et quelques 11 femmes seulement ont des temps non complets sur l'ensemble de nos agents. Pour ce qui est des emplois fonctionnels de cabinet, eh bien c'est le seul lieu dans la ville, à part les infirmières et les ATSEM, où la parité n'est pas respectée, puisque nous avons 80% d'hommes et 20% de femmes. Pardon. Le poste des directeurs et directrices sont largement occupés par des femmes. De responsable de service est occupé également largement par des femmes. Enfin, quand je dis largement, c'est 53 et 57%. Les femmes sont à des postes de direction et de responsabilité dans tous les domaines, qu'ils soient administratifs ou techniques, que ce soit aux espaces verts, aux services techniques, aux bâtiments ou dans l'éducation, par exemple, aux ressources humaines. Voilà, nous avons beaucoup de femmes. Nous avons également la chance d'avoir une directrice générale adjointe. Je tiens à le souligner, ils sont peu, mais... Voilà. Répartition par catégorie, donc il y a plus de femmes en catégorie C. Et que vous dire d'autre ? Les temps partiels, je vous l'ai dit. La formation des agents, donc les hommes et les femmes se forment tous et se forment notamment en beaucoup plus lorsqu'ils sont en catégorie C pour le nombre de jours de formation. Les formations sont plus longues. Les salaires nets mensuels pour les catégories. Alors, ensemble, nous pouvons constater qu'il y a effectivement une légère différence entre le salaire des femmes et le salaire des hommes. Cela va aussi avec l'histoire de la collectivité et non pas une volonté de moins bien rémunérer les femmes, puisque vous savez que dans la fonction publique, nous répondons à des grilles indiciaires très précises. La répartition pour les avancements de grade, comme vous voyez, les hommes et les femmes ont des avancements presque similaires, c'est-à-dire qu'il n'y a que 6% d'écart. Mais le nombre d'avancements est de 17 pour les femmes et 19 pour les hommes. Donc voilà, les pourcentages peuvent être un peu trompeurs. Ça, c'est pour les avancements de grade de l'année écoulée. Pour ce qui est de la promotion interne, nous avons eu 2 femmes promues et 1 homme.
Je suis prête à répondre à des questions si vous en avez, mais vous avez eu le document. Nous avons eu la commission, mais n'hésitez pas avant que je ne donne la parole à Frédéric Parlier. Alors, Frédéric, je te laisse la parole. Bonsoir. Alors, toujours dans le cadre de l'égalité femmes-hommes, la ville engage des actions de sensibilisation en direction du grand public. Bien sûr, les contraintes sanitaires ont mis à mal la programmation. Cependant, on a réussi à maintenir quelques actions, notamment la journée du 8 mars, la journée des droits des femmes. On a eu une exposition dessin sur les métiers mixtes. On a eu le salon des énergies au féminin en partenariat, enfin plus même réalisé par le réseau Agir avec elle. On a eu une avant-première au cinéma des 400 coups avec The Perfect Candidate. Ensuite, la biennale a été annulée, bien sûr. Les ateliers bien-être qui étaient animés par le CIAS ont pu être maintenus dans la mesure où c'était en lien avec des petits groupes qui étaient concernés. En complément de cette programmation, on a mis à jour le plan guide qui répertorie l'ensemble des rues caladoises qui portent des noms de femmes. Il a été remis à jour et puis dans tous les points d'accueil de la commune. La semaine du ruban blanc a été un petit peu bousculée également aussi, mais bon, on a quand même pu avoir programmation événementielle qui visait à sensibiliser le grand public toujours, plus particulièrement les jeunes, au travers d'actions variées menées en partenariat avec de nombreux acteurs locaux. Pardon. On en a environ une trentaine. On avait des ateliers de prévention autour du harcèlement sexiste et sexuel. On avait une conférence participative, bien sûr, qui a été annulée. Un événement grand écran pour les jeunes aussi qui a été annulé. Les ateliers estime de soi ont été maintenus. Les spectacles débat avec le lien théâtre, en fait, ça a été reporté, décalé, etc. Et le ciné-débat a été, bien sûr, annulé. Les trois campagnes de sensibilisation qui avaient été préparées ont été portées malgré tout. Je voulais vous mettre aussi, je dois vous parler aussi du protocole de mise à l'abri en cas d'extrême urgence. Ce protocole vise à mettre en extrême urgence dans un lieu sécurisé et neutre les femmes victimes de violences et leurs enfants lorsque la mise en œuvre des dispositifs de droit commun s'avère impossible et prévenir une éventuelle récidive de l'auteur en attendant l'activation de la procédure pénale. Elle vise également à assurer une prise en charge en extrême urgence en concertation avec les services concernés sur le territoire et à assurer un accompagnement psychologique et social de la femme victime de violences. Le premier bilan a fait état d'un accueil de 11 adultes de 18 à 48 ans, dont un homme, et de 11 enfants âgés de 3 à 13 ans. La mise à l'abri a engendré la mise à disposition du logement de 204 jours sur l'année. Merci. Merci. Madame Le Bail, vous avez levé la main. Je vous laisse prendre la parole. Je vous en prie. Monsieur le maire, madame, messieurs, bonsoir. Pour notre groupe, ce rapport ne peut être... On entend ? Je ne m'entends pas. Pour notre groupe, ce rapport ne peut être qu'un simple devoir d'école, une copie à rendre à l'État une fois par an comme la loi l'exige. Il doit être pour nous, selon nous, un moment important d'échange, d'analyse fine et de recherche de propositions nous permettant d'être pleinement acteurs, actifs d'ailleurs sur ce sujet important. Attendez, je crois qu'il y a un petit problème de micro, on va vous régler ça, qu'on puisse vous entendre correctement. Je recommence ? Non, c'est bon. On vous a bien. D'accord. En effet, pour les femmes, la question des droits, et plus particulièrement celle de l'égalité, que ce soit au travail, à la maison, dans l'accès aux loisirs, la liberté de choisir sa propre vie, fait sens et société pour toutes. Ces dernières années, ces questions se sont imposées dans l'espace public, malgré les préjugés, les blocages politiques et la farouche opposition de courants politiques conservateurs, rétrogrades, patriarcales, qui refusent de conjuguer l'humanité au féminin et au masculin. Même si les luttes des femmes signent des avancées, gagnent des consciences, malheureusement, les féminicides, les violences faites aux femmes, les discriminations ainsi que les inégalités demeurent béantes.
90 féminicides l'an passé. Les femmes continuent de percevoir un salaire un quart inférieur à celui des hommes. En politique, je n'oserais pas vous donner le chiffre d'hommes-mères, particulièrement sur notre collectif, sur notre agglo. Les propos que s'est permis de tenir à la radio le chroniqueur Le Cœuvre sur la lumineuse chanteuse Oshi nous fait dire que le chemin de l'émancipation des femmes est encore parchemé de sacrées embûches. Et je le pense fortement, nous ne réglerons pas ces problèmes par des actions menées uniquement lors des journées du 8 mars et du 25 novembre, toute force qu'elles soient. Il nous faut agir au quotidien, dans tous les strates de notre société, en s'adressant d'ailleurs à commencer par les plus jeunes. Notre ville pourrait profiter de ce rapport pour s'engager pleinement sur cette question. Pourquoi ne pas en faire un axe fort du budget à venir ? Que nous dit ce rapport ? Sur quel point nous interpelle-t-il et quel enseignement en tirer pour cibler nos actions au-delà de celles qui nous ont été présentées? D'abord, trois points. Les métiers restent fortement genrés. 49 femmes sur 219 au service technique, 4 sur 16 dans la police municipale et dans le même temps, 26 femmes sur 31 dans la filière culturelle, 71 sur 72 dans la filière sociale. Pouvons-nous nous satisfaire d'une telle situation ? Ne serait-il pas temps de prendre notre part dans la déconstruction du genre des métiers ? Nous avons dans notre ville, je pense, un levier que nous pourrions activer, celui du projet éducatif hors temps scolaire, peut-être même d'ailleurs celui en temps scolaire en partenariat avec l'éducation nationale, c'est peut-être plus difficile, mais bon, à voir. Nous vous proposons de travailler avec toutes les associations engageantes sur cette question pour enfin aider les jeunes filles à se projeter dans tous les métiers. Deuxième élément de ce rapport, les temps non complets restent exclusivement réservés aux femmes. C'est donc la précarité imposée pour les femmes. Ne pourrions-nous pas essayer de régler cette question en essayant de supprimer les postes non complets ? Troisième élément, les temps partiels sont majoritairement pris par des femmes, 28 femmes pour 4 hommes, sur le rapport annoncé, et les congés parentaux exclusivement réservés aux femmes. Là encore, un effort immense est à produire pour lutter contre le fait que les tâches domestiques et l'éducation des enfants ne soient pas uniquement à la charge des femmes. Ne pourrions-nous pas nous engager dans une campagne pour l'égalité des tâches domestiques au sein même de notre institution ? Voilà, Monsieur le maire, ce que nous attendions d'un tel dossier, qu'il soit le fruit d'une véritable prise de conscience, de propositions et d'actions fortes dans notre ville et notre institution. Merci. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Pas d'autres interventions. Écoutez, une partie de vos propos auxquels on peut souscrire, on est tous sensibles à cette cause de l'émancipation féminine. Ensuite, il y a quand même beaucoup de points que vous soulevez. Vous en conviendrez, dépasse un petit peu le cadre de notre simple conseil municipal. Néanmoins, je rappelle que d'ailleurs la dernière campagne de communication qui a été faite sur les emplois féminins d'ailleurs au sein de la ville était pour démontrer que tous les postes pouvaient être accessibles à chacun en mettant en avant des femmes qui occupaient des postes dits traditionnellement occupés plutôt par des hommes. C'est ce que nous avons essayé de démontrer, c'est ce que nous faisons. Je rappelle que dans un certain nombre de filières très techniques à la ville qui sont d'habitude, et on le voit encore dans leur composition majoritaire plutôt occupée par des hommes, la plupart des postes à responsabilité d'ailleurs sont occupés par des femmes dans ces postes, mais ça touche quand même la question de la formation qui n'est pas tout à fait le rôle de l'Assemblée municipale de définir. Je ne suis pas conseiller d'orientation dans les établissements scolaires. Il y a sans doute une démarche un peu plus large que la simple ville de Villefranche sur ces questions. Sur la sensibilisation sur la jeunesse, je crois quand même que la ville de Villefranche s'est engagé depuis une dizaine d'années quand même dans de nombreuses actions, nombreuses initiatives dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires, avec des conférences, avec les associations locales,
dans les rues, encore une fois, je le dis, dans les établissements, sur les campagnes de communication, sur la mise en place de dispositifs. Je rappelle, je crois que c'est le premier dispositif de mise à l'abri de femmes de victimes de violences conjugales qui a été réalisé dans le département. C'était à Villefranche. D'ailleurs, il y a un plan départemental qui vient de sortir et qui est basé sur le modèle élaboré sur la ville, puis aussi sur l'agglomération de Villefranche. Donc, il me semble qu'il y a quand même des choses quand même positives sur lesquelles notre collectivité a plutôt été, et je le dis depuis une dizaine d'années, quand même, je crois, assez offensive sur ces questions. Peut-être faut-il faire encore plus sur les animations, effectivement, enfin sur les différentes sensibilisations cette année. Frédéric Parlier l'a rappelé, comme malheureusement beaucoup d'événements, on a été un petit peu perturbés puisqu'il y a pu se maintenir uniquement certaines dans le cadre scolaire et certaines par campagne d'affichage, le reste étant suspendu aux conditions sanitaires. Sur la suppression des temps partiels, vous me dites que c'est uniquement des femmes qui le sont. Je rappelle que je n'impose pas des temps partiels, hein. On essaye au contraire de les réduire et ils sont en réduction, hein, dans la collectivité, ces temps partiels. On a mené plutôt des opérations pour justement essayer de lutter. Je crois que ça dépasse d'ailleurs le cas de seulement des femmes, hein, contre la précarisation aussi salariale dans la fonction publique. Donc je crois qu'il y a quand même des choses qui sont faites, qui sont réalisées, qui existent. Elles sont sans doute à poursuivre. Là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté et nous les poursuivrons, si vous le voulez bien, dans les années à venir avec le plus de ténacité. Sans doute faut-il que nous prenions d'autres initiatives supplémentaires, complémentaires, que nous nous renouvelions aussi dans ce que nous faisons. Mais je crois quand même qu'il y a des choses qui existent. La question des violences, je le disais sur le dispositif de mise à l'abri, moi je trouve aussi toujours très important de parler des violences intrafamiliales en règle générale, puisque on a aussi la question quand même de la violence faite aux enfants qui est toujours très liée, ou même des fois déliée, mais en tout cas très présente et préoccupante aussi dans nos villes malheureusement et dans notre pays en général. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette question ? Merci en tout cas pour ceux qui ont préparé ce rapport. Si je ne m'abuse, il n'est pas soumis au vote, hein, ce rapport. Je demande de bien vouloir en prendre acte, comme quoi il vous a été présenté de manière certes synthétique à l'oral, mais vous avez un certain nombre de documents, de tableaux et d'informations dans le registre qui vous a été dûment transmis. Nous allons attaquer la partie budgétaire suite au DUP qui s'est tenu il y a 2 mois. Ce que je vous propose, c'est de laisser peut-être tout de suite la parole à Jean-Louis Alix, adjoint aux finances, sur une présentation générale, là aussi synthétique, puisqu'on a eu déjà un long débat d'orientation budgétaire et plusieurs commissions des finances là-dessus. Je vous donnerai ensuite la parole, et si vous voulez bien, je crois que les rapports de 3 à 17 concernent le budget primitif. Nous les rémunérerons ensuite sans les représenter à chaque fois forcément dans le détail. Vous pourrez bien sûr intervenir à chaque fois si vous le souhaitez. À votre guise, monsieur Alix, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, mesdames, messieurs, avant toute chose, je voulais vous indiquer qu'il faudra que chacun d'entre nous signe les feuilles qui sont à la sortie. Il faut simplement émarger, que vous approuviez ou pas les décisions. Il faut par contre émarger, hein, s'il vous plaît. C'est important. On va donc dérouler effectivement le budget primitif avant de passer aux différents rapports, présentés sous forme de diaporama. Ainsi que monsieur le maire vous le disait, effectivement, on en a largement déjà parlé dans le cadre du débat d'orientation budgétaire en février, dans le cadre des commissions de finances. Alors je vais vous présenter effectivement d'abord les fondamentaux, hein, du budget pour 2021. Pas d'augmentation. Le premier point, c'est important, pas d'augmentation des taux d'imposition, hein, des taux qui sont stables grâce à des finances maîtrisées depuis déjà plusieurs années. Donc pas d'augmentation de taux d'impôt, ça veut dire qu'en fait, ils sont identiques depuis 1989. On a, deuxième fondamental, un haut niveau d'investissement sur le mandat, avec un volume d'investissement qui sera de l'ordre de 84 millions d'euros, hein, sur la période qui vient. Une évolution contenue des dépenses de fonctionnement,
C'est une nécessité pour répondre aux effets de la crise sanitaire et accompagner également la reprise. À noter effectivement, donc, c'est une évolution contenue des dépenses de fonctionnement à 1%, à la fois en charge de personnel et charges à caractère général. Un recours maîtrisé à l'endettement, avec un encours prévisionnel inférieur à 19 millions d'euros fin 2025. Donc un budget d'investissement ambitieux grâce à une gestion rigoureuse et une situation financière saine, puisque c'est de là que découle notre capacité d'endettement. 19 millions d'euros pour 2021, c'est-à-dire plus 38% par rapport au budget 2020, puisqu'on a augmenté de 5,2 millions d'euros les investissements. Alors au BP 2020, il avait été voté 12 564 000 euros de dépenses nouvelles d'investissement. Et en 2020, voté en juillet 2020, 1 231 000 de nouveau, soit 13 millions 8 en 2020 et donc 19 millions en 2021. Une dette qui est maîtrisée, on investit beaucoup, mais la dette est maîtrisée. La gestion rigoureuse de la dette nous donne une forte capacité à emprunter sur le mandat. Pour investir, c'est plus de 80 millions d'euros. Alors le ratio, effectivement, on a 1,82 années en 2021. On ira jusqu'à 2,9 années en 2025, ce qui reste tout à fait correct, puisque jusqu'à 7 ans, on n'a pas de soucis particuliers. Le but, en fait, c'est consolider le dynamisme reconnu de notre centre-ville. C'est intéressant, effectivement, de signaler que notre centre-ville est dynamique et attractif, et qu'il a été retenu dans le palmarès des centres-villes les plus dynamiques de France, à la première place, ce qui est quand même remarquable. Donc il faut continuer à renforcer le caractère attractif de notre ville pour un développement équilibré et valorisé sur toute la commune grâce à ces 5 ambitions fortes que je vais vous dérouler maintenant. Les 5 ambitions pour Villefranche. Une ville qui rayonne, une ville qui innove, une ville qui émancipe, une ville qui protège et une ville qui respire. Alors pour une ville qui rayonne, fière de son identité, forte de son rayonnement, la capitale du Beaujolais valorise son patrimoine et conforte sa dynamique de territoire. Les principaux investissements en 2021 sont la réhabilitation de la Villa Vermorel, avec 2 millions d'euros, la rénovation de la place du Promenoir, 1,6 million d'euros. Ça, c'est ce qu'on dépensera en 2021. La rénovation globale du théâtre. La rénovation et l'aménagement de l'accessibilité du bord de l'An. Les équipements publics, avec l'éco-quartier Mon Plaisir. L'aménagement des locaux de la Bourse du Travail. Pour information, simplement, pour ce qui concerne Vermorel, qui est un projet un peu emblématique, l'opération globale fait 6,5 millions, dont 2,1 millions en 2021 et 3,5 millions en 2022. Pareil pour la place du Promenoir, qui est une opération de 6,7 millions. Dans la ville qui rayonne, en 2021, la ville de Villefranche s'appuiera sur une enveloppe de fonctionnement de 10,1 millions d'euros. Pour porter l'aménagement, les services urbains et l'action économique. Est-ce que je suis sur une bonne... Pour bâtir une ville toujours plus belle, attractive et dynamique, la ville de Villefranche engage en 2021 une étude urbaine et paysagère pour 50 000 euros pour harmoniser son cadre de vie. 120 000 euros seront investis pour le remplacement des tables du carreau du marché couvert. Une ville qui innove, avec un projet d'envergure, responsable et citoyen, qui s'inscrit pleinement dans la transition écologique, avec la future couverture photovoltaïque du parking de l'éco-quartier Mon Plaisir. 600 000 euros vont être investis dans la future centrale solaire de l'éco-quartier Mon Plaisir, qui a le niveau 2 du label éco-quartier, et la construction de la nouvelle maison du Rhône, de la résidence sociale senior et du parking en silo.
toujours dans la ville qui innove. J'ai pas les mêmes. Bon. Un schéma directeur informatique pour 480 000 euros. L'extension du réseau FI pour 100 000 euros. La réfection des salles serveurs pour 340 000 euros. Un programme numérique et câblage des écoles pour 440 000 euros. Avec 120 000 euros d'investissement en 2021, la ville de Villefranche maintient son engagement de modernisation de l'accueil des usagers au plus près des Caladois et des Caladoises. La ville qui émancipe, c'est la bonne diapo, voilà. Avec la rénovation urbaine de Belleroche, à Belleroche, donc c'est un projet quand même très important. La Belleroche demain se construit dès aujourd'hui avec des études PRU pour de nouveaux équipements publics pour 100 000 euros et des études pour la réfection du terrain synthétique de football, 30 000 euros. Mais également, éduquer, grandir, s'épanouir, ça rentre dans le cadre de la ville qui émancipe. En 2021, plus de 2,86 millions d'euros seront versés aux associations de la ville. C'est le maintien, en fait, des subventions comme l'année dernière. En 2021, l'enveloppe consacrée à l'éducation, jeunesse, sport, culture représente 17,7 millions d'euros, soit 34,8% du budget de la ville. Les principaux investissements en 2021, la restructuration du groupe scolaire Jean Massé, la restructuration du restaurant scolaire Lamartine, les installations d'œuvres d'art et des ateliers artistiques, une rénovation et l'accessibilité de la halle Bointon, la réfection du plateau sportif du groupe scolaire Chouffé, la réfection du stade d'athlétisme Jean Le Mouton et la réalisation d'études pour un terrain de beach volley à Montmartin. Alors également une ville qui protège la tranquillité publique, qui est la première des libertés. Sécurité, proximité et prévention sont au cœur de la stratégie municipale, avec des investissements 2021 qui sont majoritairement un programme de vidéoprotection pour 740 000 euros, un programme de sécurisation des bâtiments pour 200 000 euros, un programme de sécurité routière et d'accessibilité pour 343 000 euros, des investissements dans la défense incendie pour 45 000 euros. Également, un renforcement de l'équipe de police municipale avec le recrutement de 4 nouveaux agents, une enveloppe sectorielle pour la sécurité urbaine pour 107 000 euros. Une ville qui protège également en investissement pour maintenir le lien, accompagner et renforcer nos solidarités. Avec l'acquisition de nouveaux locaux pour le CCAS, 760 000 euros, au sein de l'éco-quartier Mon Plaisir. Une mutualisation de l'accueil et du service avec la Maison du Rhône pour créer un véritable pôle de solidarité. En 2021, pour mener ses missions au plus près de ses publics, le Centre communal d'action sociale s'appuiera sur une subvention ville de 700 000 euros. Et également à noter une réserve de 400 000 euros qui est constituée pour la gestion de la crise Covid. Une ville qui respire. Alors d'abord l'esplanade Ferdinand Buisson pour 186 000 euros avec une végétalisation importante, plus de 40 arbres et 80 arbustes, un stockage de l'eau et la gestion des eaux pluviales en méthode douce, zone d'ombre et lieu de vie, deux auvents seront créés avec du mobilier urbain, tout ça sur l'esplanade de Buisson. Un schéma vélo également dans le cadre de la ville qui respire. Avec 180 000 euros, ce qui permettra de passer de 41,5 km à 44,3 km de pistes cyclables en 2021. Un renforcement de la zone 30, une sécurisation des voiries cyclables existantes et un plan de développement et de stationnement de 155 000 euros. Dernier volet, toujours une ville qui respire. Donc la transition énergétique est au cœur des investissements, avec les principaux investissements de 2021 dans ce cadre-là qui sont la rénovation énergétique des bâtiments municipaux pour 400 000 euros et des équipements sportifs. Il y a un plan de végétalisation des espaces publics, 150 000 euros.
une gestion intelligente de l'éclairage des bâtiments, hein, qui a coûté 296 000 euros, une meilleure gestion de l'arrosage, notamment au stade Chouffé, 41 000 euros, un renouvellement du mobilier urbain et des espaces verts pour 175 000 euros, une mise en œuvre de l'instruction du 18 novembre 2020 relative au soutien à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales dans tous nos chantiers. À noter qu'à l'école Ferdinand Buisson, pas moins de 10 essences d'arbres différentes seront plantées pour permettre une meilleure captation végétale du CO2. Après ces 5 ambitions, on va passer donc aux chiffres, hein, le budget principal pour 2021. Alors le budget général 2021, le budget principal 83,1 millions d'euros, hein, le budget général total c'est 88,4 avec 50,8 millions en fonctionnement et en investissement 32,3 millions d'euros. Les budgets annexes sont essentiellement les parkings, hein, 5,3 millions d'euros. Donc il y a deux petits tableaux à côté qui vous montrent effectivement un niveau de recettes de fonctionnement de 50,8 millions, des dépenses de fonctionnement pour 44,4 millions. Donc ça permet de dégager un autofinancement de 6,4 millions d'euros qui vient abonder les recettes d'investissement et ce qui nous permet effectivement globalement d'investir 32 millions, dont 19 millions d'investissements nouveaux, ce que j'ai dit tout à l'heure, 7,6 millions de reports d'investissement de l'année précédente, et 1,9 million de dettes. Alors ces dépenses et recettes présentées lors de la vue générale ne tiennent pas compte des écritures comptables, de l'amortissement et des résultats de l'année antérieure. Les orientations en fonctionnement, hein, pour 2021. Avec d'abord les recettes de fonctionnement, 50 825 000 euros, avec des recettes fiscales pour 45 377 000, des recettes réelles, pardon, 45 377 000, des recettes d'ordre et d'écriture comptable pour 648 000 euros, un résultat reporté 2020 de 4 800 000, et des recettes totales donc de 50 825 000 euros. On voit qu'effectivement, dans les recettes, ce sont les impôts et taxes, hein, qui représentent 60,4% du total du camembert. Alors, la réforme de la taxe d'habitation, on en a déjà, je pense, largement parlé, déjà à la fois dans le débat d'orientation budgétaire et dans la commission des finances. Ce qu'il faut retenir, c'est que le nouveau panier fiscal, en fait, 2021, tient compte d'un transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties en notre faveur. Globalement, si vous voulez, si on prend le petit tableau là qui est indiqué, avant la réforme 2020, taxe d'habitation et taxe sur le foncier bâti, on avait 19 348 000. En 2021, avec ces transferts de taxe foncière et un coefficient correcteur que nous applique l'État pour pas pénaliser les communes, on a 19 348 000 euros. Avec un taux communal qui reste identique à 19,03, un taux départemental à 11,03, donc un taux communal 2021 de 30,06. Les dépenses de fonctionnement maintenant. Alors l'ensemble des dépenses de fonctionnement par nature, ça représente 50 825 000 euros. On voit qu'effectivement la masse salariale et les frais assimilés représentent 25 440 000 euros. Hein, c'est la majorité du camembert. On a des charges à caractère général pour 9 700 000. On a quelques opérations d'ordre, hein, pour 8 400 000. On a les dépenses imprévues pour 400 000, les charges financières, les subventions et les autres charges de gestion courante. Bon, l'essentiel, effectivement, c'est les charges de personnel.
les dépenses de fonctionnement maintenant par domaine de dépenses, hors administration générale de la collectivité. Alors c'est intéressant parce que ça permet effectivement de mieux se focaliser sur nos façons de dépenser en fonctionnement. L'enseignement, la formation, par exemple, avec 7,4 millions, hein, c'est 14,6% hein, du budget. La culture, c'est 4 millions 100, c'est 8,09%. Les sports, hein, 3 millions, c'est 6,02%. La jeunesse, 6,10%. Intervention sociale, santé, famille, logement, 2,65%. L'aménagement, les services urbains et l'action économique, avec plus de 10 millions d'euros, c'est 20,4% du total. Et la sécurité et salubrité publique pour 4,26%. On va passer à la dette. Alors, l'encours de la dette en 2021. Donc, l'objectif de trajectoire sur le mandat, c'est 18,9 millions de dettes en 2025. Un encours de dette de 9 millions au 1er janvier 2021 et un encours de dette au 1er janvier 2022 qui sera d'11,6 millions et une prévision d'emprunt de 4 333 000 en 2021. Encore une fois, c'est des sujets qu'on a déjà largement développés. Alors, les budgets annexes, ce sont essentiellement les budgets concernant les parkings. Avec le budget annexe chassé, hein, 353 400. Le budget Boiron, 2 866 000. Alors ça, j'en reviendrai un peu plus loin là, sur ce point, parce qu'on y a inclus 1 200 000 euros de remboursement de l'emprunt principal. Le budget annexe pour Promenoir, 1 500 000. C'est le démarrage des travaux. C'est une subvention qui correspond à cette première tranche. Et les budgets annexes des activités assujetties à la TVA, 585 000 euros. Voilà, j'en ai fini pour la partie présentation des éléments, des fondamentaux et des grands objectifs stratégiques de la ville. Donc avant de passer aux différents votes, hein, parce qu'il y a pratiquement une vingtaine de rapports. Je vais laisser Monsieur le maire dire un mot. Je vais laisser. C'est Monsieur Allombert qui intervient. Ça, je vous en prie, allez-y. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, plus que jamais, l'intervention publique va revêtir une importance capitale dans les mois et années à venir. Les crises sanitaires, sociales, écologiques et démocratiques devraient nous amener à bouleverser nos logiciels. Ce n'est malheureusement pas ce que nous constatons à l'étude de votre budget primitif pour cette année, budget dont nous avons de la peine à voir les priorités et sans grande ambition. Une intervention renforcée dans le champ social au regard de la catastrophe annoncée est prise trop au sérieux par les syndicats, même par les organisations patronales, avec pour 2021 et 2022 la crainte de la disparition d'un nombre certain d'entreprises et donc d'un regain du nombre de chômeurs déjà élevé sur notre territoire. Nous vous avions fait lors du DOP des propositions qui auraient pu répondre partiellement au risque d'accroissement des inégalités. Je pense particulièrement à l'application d'un véritable quotient familial dans les cantines scolaires, des moyens éducatifs en hausse pour les fournitures scolaires, dont le numérique, moyens qui n'ont pas augmenté depuis 10 ans. Renforcement du service public, particulièrement au service jeunesse, hausse des aides pour les associations caritatives. Mais votre proposition de budget ne prend pas en compte cet aspect. Ainsi, vos objectifs en termes de capacité de désendettement obligent la ville à comprimer notablement les dépenses de fonctionnement. Si nous avions plus d'oxygène en ayant plus recours aux emprunts, cela nous permettrait de moins faire appel à l'autofinancement et donc de dégager des ressources pour le budget de fonctionnement. Or, nous le savons, tout le budget de fonctionnement, c'est celui du service public, des actions culturelles de proximité construites avec les Caladois, de la jeunesse, des associations, des projets créant du lien et du vivre ensemble. Nous en avons besoin dans la période que nous vivons. Vous semblez naviguer à vue. J'en veux pour exemple le retour du budget du CCAS à son montant initial pré-Covid-19 avec une baisse de 100 000 € pour 2021. Alors certes, vous indiquez avoir une réserve de 400 000 € dans laquelle aller piocher si besoin, mais cette absence de projection confine à l'absence d'une vision sérieuse sur l'avenir qui nous attend et confirme l'attentisme qui vous guide en matière sociale. Nous retrouvons cette absence de volonté forte dans la lutte pour la préservation de notre planète.
Vous ne prenez pas cette question à la hauteur de la crise écologique que nous vivons. Hormis des actions intéressantes, mais qui nous semblent peu ambitieuses, avec quelques végétalisations ici et là, et non sur l'ensemble de la ville, un parc photovoltaïque qui mériterait d'être démultiplié sur nos bâtiments publics et un engagement pour un schéma vélo à minima. La mobilité est aujourd'hui l'un des plus grands défis des villes au bord de l'apoplexie, dans lesquelles les embouteillages non seulement provoquent des émissions de gaz à effet de serre effrayantes, mais encore ruinent la santé des citadins. Il faut donc adapter la ville à des modes de transport doux et organiser le partage de l'automobile. Au contraire, vous poursuivez le bétonnage avec la création du parking du Promenoir qui coûtera aux contribuables la bagatelle de 5 millions d'euros, dont 1 600 kg sur la seule année 2021. Travaux aujourd'hui à l'arrêt qui laissent un espace privé de tous ces arbres, dont nous savons aujourd'hui l'importance de la capacité d'absorption du CO2, permettant le ralentissement du dérèglement climatique et la baisse de degrés de température dans les cas de forte chaleur, malheureusement inévitable en été. Toujours pas de trace dans ce budget de volonté de faire participer les habitants à la vie de la cité au travers d'actions de démocratie participative. Cette question exige un travail et des moyens financiers de fonctionnement attenants. Faire vivre une véritable démocratie participative, c'est donner la parole aux Caladois, leur permettre de prendre leur part dans les choix de la vie de la cité jusque dans le budget. Cependant, l'absence de vision ne peut pas vous être reprochée sur la surveillance des habitants. Avec 100 caméras supplémentaires, nous n'allons pas tarder d'obtenir le label des villes les plus surveillées de France. Big Brother s'installe à Villefranche. Vous devriez mettre sur les panneaux aux entrées de la ville « La mairie is watching you ». Les 700 kg d'investissement supplémentaire prévus pour le programme de vidéosurveillance 2021-2026 portent un impact sur le budget à près de 3 millions d'euros sur les 6 dernières années, sans compter la maintenance et le salaire des agents qui y travaillent. Donc cet argent aurait pu être utilisé pour travailler les problématiques que vous dites combattre avec ces équipements. Les incivilités se travaillent avec des actions ludo-éducatives auprès des jeunes. Mais vous, vous préférez supprimer des postes d'éducateurs dans nos quartiers et dans nos centres aérés. Ça aurait pu permettre aussi un accès à des services publics de qualité en proximité, des moyens humains mis dans une police de proximité, le travail sur des lieux de partage entre les habitants. Des lieux comme les maisons citoyennes que nous proposions auraient eu un impact autrement plus positif pour les Caladois sur un nombre important de leurs besoins, dont y compris la tranquillité publique. Au regard de ces éléments, vous l'aurez compris, votre budget est loin d'être à la hauteur des enjeux de notre époque et à venir. Notre groupe formulera un vote défavorable. Je vous remercie de votre attention. Merci pour votre intervention. Monsieur Chomat, je vous en prie. Rebonjour à tous. Alors, je vais répéter sous une forme un petit peu différente ce que j'ai dit lors du débat d'orientation budgétaire. Ce budget, pour nous, est une certaine déception. Quand on a été élu au printemps dernier, là où nous avions les plus fortes craintes sur les orientations, c'était au niveau de l'agglomération. Et nous avons vu un budget qui était, en tout cas qui traçait des lignes intéressantes pour l'avenir. Alors après, il faudra voir ce qui se met en œuvre, mais pour l'instant, on est sur de bonnes directions. Ici, je trouve que le budget manque de souffle. Alors, est-ce qu'on peut voter contre ce budget ? Non. Non, parce que dans ce budget, il n'y a pas de choses qu'on n'aurait pas pu nous-mêmes voter. Alors bien sûr, pas forcément avec la même pondération ou le même rythme. C'est vrai que quand la vidéoprotection représente 5% du budget d'investissement, alors les pourcentages que je vais donner sont toujours nets des subventions. J'ai déduit les subventions qui étaient afférentes au même investissement. Voilà. Bon, c'est quelque chose qui aurait pu s'étaler davantage dans le temps. Il y a une vision très patrimoniale dans votre budget. Beaucoup d'investissements, je dirais, de prestige. Alors, de prestige pour la ville, c'est important. Le rayonnement, l'attractivité de la ville, c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur. Mais on voit que l'investissement y est massif. La maison Vermorel, 4% du budget. Le théâtre, 9%. Le Promenoir, 11% sur l'année. Quand on renvoie avec d'autres éléments, on voit que la végétalisation des cours d'école représente 1% et elle va visiblement s'étaler sur un certain nombre d'années. Le plan vélo, 1,2%. À titre d'indication, si on cumule le Promenoir et puis le parc de stationnement de l'écoquartier, on a 16% du budget d'investissement qui est consacré au parking. Et on a, si on rajoute la végétalisation de l'école Jean Massé, on a 3,5% qui est consacré à ces différents éléments. Enfin,
Il y a un point qui me gêne dans la façon de le présenter, c'est celle de la façon de présenter les frais de fonctionnement. Alors, je ne vais pas nécessairement dire qu'il faut embaucher massivement ou qu'il faut dépenser plus en fonctionnement, parce que je le conçois très bien, le fonctionnement, c'est des investissements en moins, mais il faut aussi être en capacité de pouvoir faire fonctionner les choses et faire face aux défis. Par exemple, alors cette année, comme les investissements verts sont assez légers, on n'aura pas ce problème-là, mais si sur le mandat, on se met à investir davantage, normalement, il y a le parc de l'écoquartier qui devrait voir le jour, qui représente une surface importante, ça veut dire qu'il faudra des jardiniers pour s'en occuper. Donc ça veut dire qu'il faudra trouver des ressources en fonctionnement. De même, on en a peu parlé, vous l'avez très peu réévoqué, vous parliez dans votre programme de davantage faire vivre la participation dans notre ville. Ben ça nécessite des compétences. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans les services, on ait nécessairement ces compétences. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faudra créer de l'emploi dans ce cadre-là. C'est pour ça que je pense que ne voir les frais de fonctionnement que comme des charges qu'il faut absolument minimiser, ce n'est pas forcément la seule façon de pouvoir le voir. Et il y a aussi de l'investissement, notamment dans les ressources humaines, qui sont positives. On veut assurer le rayonnement de la ville, on veut qu'elle continue à rester attractive, parce qu'aujourd'hui, on a des bons classements dans des guides, mais ça veut dire qu'on s'en sort mieux que d'autres. On ne peut pas dire que tout soit totalement rose, et on verra après crise ce qui va se passer. Il y a sans doute à devancer l'avenir, et pour ça, à aider l'ensemble des commerces, l'ensemble des entreprises à pouvoir avancer. Alors certes, la compétence économique, c'est l'agglo, mais on peut sans doute aussi agir au niveau de la ville. Enfin, je voudrais faire une petite suggestion pour l'avenir. Je ne vais pas vous en tenir grief parce qu'il faut avoir les outils pour pouvoir le faire. Je trouve dommage, je reviens sur cette section de fonctionnement et particulièrement sur les charges salariales, qui représentent en gros la moitié du budget de fonctionnement et un tiers du budget total. Je trouve dommage qu'on ne nous présente pas l'équivalent de ce qui serait dans une association un rapport de gestion qui définisse un petit peu l'action des services sur les différents points et les différentes orientations, les différents projets de services pour l'avenir, parce que ça nous permettrait de valoriser ce travail qui est fait et de pas simplement le considérer comme une charge. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Pas d'autres interventions. Écoutez, je vais essayer de revenir. Il y a certains sujets qu'on a déjà abordés nombreuses fois, donc enfin le faire trop longuement. Merci d'abord pour la qualité de vos interventions, de vos propos. Vous dire qu'effectivement, nous assumons au niveau de la majorité clairement ce pourquoi d'ailleurs nous avons été élus, ce sur quoi d'ailleurs nous avons fait campagne. Parce que finalement, on peut avoir les bonnes ou les mauvaises propositions. La plus importante déjà, c'est de rester fidèle à ce que nous avions dit et ce sur quoi nous nous sommes engagés. Ne pas augmenter les impôts, maîtriser la dette tout en réempruntant quand même. Et moi, je l'ai dit pendant la campagne électorale, hein, j'avais expliqué que la dette de la ville de Villefranche était un petit peu trop faible en capital et que je la remonterais ensuite. Tout le monde ne l'a pas dit aussi clairement que moi. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs une trajectoire, même si je peux avoir un certain nombre de désaccords sur à quel curseur il faudrait monter, mais on va réendetter la ville en la remettant encore en dessous de la moyenne des communes de même strate, mais on va la réaugmenter puisqu'on va passer d'un capital de dette de 7 millions jusqu'à 19 en disant que ces millions investis le seront pour préparer les équipements structurants, mais aussi pour préparer les équipements qui font soit la transition écologique, soit qui permettent de faire les économies de fonctionnement de demain. J'ai aussi dit clairement que je voulais maîtriser le fonctionnement. J'ai toujours été très clair là-dessus. D'ailleurs, la première fois que j'ai été élu, en 2017, au cours de la séance d'installation du conseil municipal, c'est les premiers propos que j'ai tenus. Je me rappelle même de ma première cérémonie des vœux, le 7 janvier, je crois, 2018, suivant, en expliquant que cette ville avait besoin que nous serrions les budgets de fonctionnement. Donc, je l'assume clairement, nettement, précisément. Et je crois que la première des qualités est d'être
toujours très claire et pas simplement de dire c'est bien, on peut faire un peu plus, on pourrait rajouter un peu de ceci ou un petit peu de cela, mais la chose claire, parce que finalement la politique c'est certes prévoir, mais la politique c'est aussi d'être clair, hein, c'est surtout prioriser. Moi des projets j'en aurais des centaines pour cette ville, si c'est extensible. D'ailleurs quand on dit qu'on pourrait emprunter plus, on avoisine quand même sur la PPI 84 millions d'équipements bruts. Ça ne s'est jamais réalisé sur un mandat. Je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'on arrive à réaliser pour des capacités même d'ingénierie, de réalisation. C'est compliqué de réaliser 84 millions d'euros de travaux sur un mandat dans une ville de notre taille. Je peux vous assurer, pour des tas de contraintes techniques qui ne relèvent pas simplement d'une question d'ailleurs de ressources humaines, mais simplement même de délais, d'opportunités foncières, d'organisation territoriale, de travail avec nos partenaires ou de concessionnaires. Et je vous assure que si on réalise ces 80 millions d'euros d'investissement, j'en serais extrêmement heureux, extrêmement fier, mais je ne vois pas du coup l'intérêt d'aller promettre des équipements que nous ne serions pas capables par la suite d'assurer. Et sur le budget de fonctionnement, d'être à 1%, tout en consolidant pendant les années à venir aussi des baisses de fonctionnement sur d'autres sujets, parce qu'il y a la masse salariale, les charges à caractère général, comme l'électricité, quand on va dans un plan d'éclairage intelligent, c'est aussi de gagner des sommes nouvelles. Le parking Boiron, qu'a évoqué Jean-Louis Alix, quand on rembourse un crédit d'1 200 000 euros et qu'on se déclenche dès l'année prochaine presque 100 000 euros de marge de fonctionnement supplémentaire, c'est de l'économie supplémentaire, de la possibilité de fonctionnement supplémentaire dans notre trajectoire. Donc ne pas augmenter les impôts, un niveau élevé d'investissement comme nous n'avons pas connu sur cette ville, la maîtrise effectivement des budgets de fonctionnement et une part de réendettement de la commune, je le dis, assumée publiquement d'ailleurs, même pendant la campagne électorale, tout en restant en dessous des communes de même strate. Sur les orientations, là aussi, la fidélité à ce que j'avais indiqué, c'était intégralement écrit et j'y reste attaché. Alors on peut essayer de soulever par-ci, par-là, certaines choses. Oui, je crois à la vidéosurveillance. J'ai beaucoup apprécié votre intervention. Sauf le petit mot en anglais, je pensais que vous étiez un défenseur de la francophonie, mais du coup, c'est pas grave, ça nous arrive tous. Mais plus sérieusement, j'assume la vidéosurveillance. J'assume aussi de mettre des moyens humains supplémentaires, puisqu'il y a 4 policiers supplémentaires aussi que vous avez votés d'ailleurs lors d'un récent conseil municipal. Sur l'éducation, quand même, encore une chose, vous avez parlé d'action ludo-éducative. Je crois qu'il faut séparer deux choses. Il y a la délinquance réelle, sérieuse, criminelle, délictuelle, et on en connaît sur cette commune, pas forcément plus qu'ailleurs, mais comme à l'image de beaucoup de communes. Et là-dessus, je ne crois pas que ce soit des réponses ludo-éducatives qui aident. On a besoin aussi quand même d'accompagner les services régaliens de l'État par une police municipale, par des systèmes de vidéoprotection. Je le redis, ce système de vidéoprotection, il fait quand même que le commissariat a le meilleur taux d'élucidation du secteur. Et je crois que c'est quand même quelque chose de positif. On peut ne pas être d'accord là-dessus, mais là aussi, je l'assume. Quand on va être une des communes qui ne baissera absolument pas d'un euro les aides aux associations, et quand on voit la part que ça représente, je pense, en termes d'intégration des valeurs collectives, des valeurs républicaines, des valeurs de vie en commun dans une collectivité, je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Quand on consacre 3,3 millions d'euros sur nos services jeunesse, sur l'apprentissage, je pense que c'est quand même quelque chose. Quand le premier budget à 14% est celui de l'éducation, il me semble que c'est quelque chose d'important. Vous avez parlé du numérique. Je vais vous dire quand même, il y avait un chapitre entier là-dessus, l'intégralité. On a d'ailleurs réuni les directeurs d'école primaire et maternelle de la ville. L'intégralité du schéma numérique a été réalisé dans les écoles sous la responsabilité de la ville. Et on a réussi à le faire en avance. Aucune hausse des aides sociales. On a effectivement renouvelé le budget du CCS tel qu'il était conçu. Je vous rappelle que les dernières, tous ensemble, on a fait une hausse de 100 000 euros. On a prévu une enveloppe prévisionnelle de 400 000 euros. Donc je pense qu'on est plutôt prudentiel. Et je n'appelle pas trop ça naviguer à vue. Il me semble même que la boussole a été placée sur un curseur plutôt prudent et attentif aux plus en difficulté, plus démunis. On a quand même un des gros projets qui commencera en fin d'année avec le lancement de chantier de la maison de santé sur Belle Roche,
qui est là quand même aussi un dossier de renouvellement urbain, il me semble important, la réalisation d'un nouveau centre communal d'action sociale sur lequel on investit aussi massivement, et je crois beaucoup au regroupement avec un véritable pôle de solidarité avec la Maison du Rhône, permettra aussi aux gens de mieux accéder aux droits, parce qu'au-delà des sous qu'on y met, il y a la lisibilité, il y a l'accès, il y a l'ouverture des droits qui est une vraie difficulté. Est-ce que ce budget manque de souffle ? Quand on est dans l'opposition, le budget de la majorité manque toujours de souffle. C'est bien connu, c'est même normal. Il toussote, il a tous les défauts du monde. N'empêche que ce budget a le mérite, encore une fois, d'être un budget à 19 millions d'euros. Je me rappelle que la dernière fois, on m'avait dit d'ailleurs qu'on n'avait rien fait l'année précédente. On le verra dans les comptes administratifs la prochaine fois, mais on a investi quand même 15 millions d'euros l'année dernière sur une année de Covid, dont 3 mois étaient privés de chantier parce que les entreprises ne pouvaient pas intervenir. Un tout petit peu moins que l'année précédente, mais plus que la moyenne des années du mandat précédent. Donc on doit avoir un tout petit peu de souffle quand même pour à la fois gérer l'urgence de cette crise pandémique difficile qui happe beaucoup nos services, et moi je tiens à les remercier à la fois pour le travail qui est fait ce soir sur la présentation, mais sur cette capacité aussi à gérer l'urgence qui nous frappe quand même tous les jours au niveau des collectivités locales et qui mobilise beaucoup nos agents, et en même temps la qualité pour se projeter. Sur la transition écologique, on a souhaité faire une synthèse avec quelques éléments, mais je rappelle qu'on a quand même obtenu le label 2 éco-quartier, dont on nous assurait pourtant il y a quelques mois ou quelques années que nous ne l'obtiendrons d'ailleurs pas ou jamais. Il a été obtenu, je crois qu'on est 30 communes en France à l'avoir eu lors de la dernière session, si je ne me trompe pas. Il y a d'autres projets qui sont également en cours. Et je rappelle qu'on vise également la certification en label éco-quartier sur la rénovation du quartier de Belleroche. Et je pense que si on arrivait à l'obtenir, ça serait quand même une étape aussi franchie importante. Je redis ce que j'ai dit la dernière fois, l'esplanade Ferdinand Buisson, la centrale photovoltaïque, un certain nombre d'éléments qui vous ont été présentés sur le budget 2021. Mais je n'oublie pas aussi que cette question de la transition écologique, de l'autosuffisance des bâtiments, du renouvellement de la flotte automobile, etc., c'est quelque chose de continu. Si je prends la première page du document qui vous est présenté, encore une fois, je le redis, mais le théâtre, sur les 1,4 million, une grande partie sont aussi des travaux qui vont dans le sens de la transition énergétique. C'est valable pour le musée, c'est valable pour tous nos chantiers. On l'inscrit d'ailleurs maintenant dans toutes nos commandes publiques. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on ne dresse peut-être pas en permanence comme un étendard, mais en tout cas, sur lequel nous sommes attentifs et sur lequel nous souhaitons être le plus performant possible. Je vous remercie pour votre attention. Je vais soumettre, si vous le voulez bien, les rapports budgétaires aux voix. Vous m'arrêtez si sur certains vous avez éventuellement des questions supplémentaires. Vous avez tous eu dans les temps et les délais. Il me semble que c'est permet d'avoir des expressions plus libres et plus fluides. Donc le rapport numéro 3 qui concerne les affectations prévisoires du résultat de la session de fonctionnement de titre de l'exercice 2020. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas d'autres questions, des oppositions, des abstentions. Alors, 4 abstentions adoptées par le reste de l'Assemblée. Affectation provisoire de la section de fonctionnement au titre d'exercice 2020 pour le budget annexe parking Chassey. Des oppositions, des abstentions. 4 adoptées par le reste de l'Assemblée. La même chose pour le parking Boiron. Des oppositions, des abstentions. 4 adoptées par le reste de l'Assemblée. L'affectation prévisoire du résultat de la section de fonctionnement de l'exercice de demain pour le budget annexe parking Promenoir. Des oppositions, 4 oppositions, des abstentions adoptées par le reste de l'Assemblée. L'affectation provisoire de la section de fonctionnement sur les budgets annexes activités assujetties à la TVA. Il y a des oppositions, des abstentions, 4 adoptées par le reste de l'Assemblée. Le budget primitif, donc budget principal tel qu'il vous a été présenté, des oppositions, 4, hein, des abstentions, 2, vous avez un pouvoir, pardon, et adoptées par le reste de l'Assemblée. Budget primitif, le budget parking Chassey. Des oppositions, des abstentions, des oppositions, des abstentions sur les annexes. Abstention, hein, pardon. Abstention est adoptée par les autres. Merci. Parking Boiron. Donc, pas d'opposition, 4 abstentions
et adopté par le reste de l'Assemblée. Parking promenoir, là c'est opposition. 4. Hein, merci. Budget annexe activité assujettie à la TVA. Pas d'opposition, donc 4 abstentions adoptées par le reste de l'Assemblée. Les taux d'imposition, j'imagine que tout le monde est pour. Pas d'opposition, pas d'abstention. Abstention sur les taux d'imposition. Très bien, merci. Gestion des opérations d'investissement en autorisation de programme, crédit de paiement. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Il y a des oppositions ? Non ? Des abstentions ? 4. Adopté par le reste de l'Assemblée. Merci. Budget annexe, parking chassé, versement d'une subvention d'équilibre. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? 4 et adopté par le reste de l'Assemblée. Le budget annexe parking Boiron, virement d'une subvention d'équilibre, des oppositions? Non, des abstentions? 4 adopté par le reste de l'Assemblée. Le budget annexe toujours parking Boiron, versement d'une subvention d'équilibre complémentaire pour remboursement anticipé de l'emprunt souscrit. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? 4 adopté par le reste de l'Assemblée. Et nous allons, celui d'après c'est pareil, budget principal, donc ajustement, provision pour dépréciation d'immobilisation sur les écoles restituées par l'agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Des abstentions ? 4, adopté par le reste de l'Assemblée. Et là je pense, contribution 2021 de la commune de Villefranche au syndicat départemental d'énergie du Rhône. Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté par tout le monde, et l'attribution des subventions assorties de conditions d'octroi. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Pas d'abstention. Oui, bien sûr, je vous en prie, Madame Montagnier, allez-y. D'accord. Une question et un petit commentaire. En fait, sur donc, les attributions de subventions, pour quelles raisons versez-vous 10 000 euros au cours Perrier, école privée sous contrat simple, alors que c'est facultatif ? Ne pensez-vous pas que les écoles privées sont déjà suffisamment dotées ? En effet, la ville donne une subvention annuelle de 700 000 euros. Écoutez, c'est une convention qui date de 2009, qui est basée sur le nombre de classes ouvertes et le nombre d'élèves de Villefranche qui sont dedans, puisque l'école n'est pas hors contrat, elle est sous contrat simple, hein, pas contrat d'association, mais contrat simple, donc éligible aux subventions facultativement, hein, mais éligible aux subventions, elle n'est pas hors contrat. Écoutez, franchement, ça n'a jamais posé de question dans cette assemblée depuis 2009 qu'elle est réalisée. Je n'ai pas mémoire, j'y siège depuis 2008, je n'ai pas mémoire d'avoir eu débat sur cette question. Ensuite, c'est une école qui a quand même une utilité dans cette ville, très clairement. Donc, je n'ai pas de difficulté avec ça pour répondre à votre question. Alors, c'était compte tenu du montant complémentaire de 2021, hein, suite à l'obligation de l'école à partir de 3 ans dans les écoles maternelles, on a quand même un montant conséquent qui est versé. 700 000 euros, c'est aussi le montant qu'on verse au CCAS. Voilà, je disais que 10 000 euros, vous avez parlé tout à l'heure de priorité, hein, de prioriser les dépenses. Qu'est-ce qui est prioritaire justement dans cette dépense de 10 000 euros qui est vraiment facultative ? C'est-à-dire que vous n'avez aucune obligation de verser cette somme. Mais en fait, on est bien d'accord, hein, ça n'a rien à voir avec le texte de loi gouvernemental qui est passé, qui a obligé à une contribution des collectivités sur les écoles maternelles, comme c'était le cas. On verse beaucoup moins proportionnellement à cette école privée qu'on le verse aux autres. En fait, ce n'est pas la question, c'est que d'un côté, vous êtes... Ah, ce que vous voudriez, c'est que je supprime les 10 000 euros au cours Perrier ? Non, mais dites-moi. Je vous demande, quelle est la raison, je veux dire, sur les autres subventions, on comprend qu'il y a une loi qui doit s'appliquer, oui. Voilà, en effet, il y a aussi une compensation. Là, la raison, c'est-à-dire, pourquoi vous financez une école privée qui n'en a pas besoin ?
Bah, écoutez, je crois qu'elle en a besoin. D'ailleurs, si elle nous sollicite, c'est qu'elle doit en avoir besoin. Non, mais soyons très clairs. Si le débat sur lequel vous voulez l'emmener, c'est école publique, école privée. On a des écoles publiques, hein, 18 groupes scolaires maternels et élémentaires sur cette ville, sur lesquels, d'ailleurs, on ne rechigne pas particulièrement. D'ailleurs, on a regardé les principaux investissements. Vous parliez de priorité. Je crois qu'il y a une liste assez complète comme d'investissements pour nos écoles publiques. La loi nous a imposé récemment de participer sur le même montant que ce que nous donnons dans les écoles publiques pour les écoles primaires, puis ensuite pour les écoles maternelles privées. Sur le coup Perrier, il y avait une subvention, qui est une subvention d'équilibre, qui date depuis 2009. Elle joue un rôle important dans cette ville. Elle a la taille de beaucoup d'écoles publiques de la ville de Villefranche. Elle participe à l'éducation des enfants de cette ville. C'est le libre choix des citoyens de mettre leur enfant soit à l'école publique, soit à l'école privée, c'est inscrit également dans la loi. L'aide que nous apportons, je vous dis, elle a été dotée en 2009, elle n'a jamais été sujette à discussion sur cette assemblée depuis. Il ne me semblait pas qu'elle était polémique ou problématique. 10 000 euros, encore une fois, c'est extrêmement faible vis-à-vis du nombre de petits caladois par rapport à ce qu'on met dans les écoles publiques ou ce que la loi nous impose dans les écoles qui sont sous contrat d'association, puisqu'elle est sous contrat simple. Donc oui, effectivement, je vous propose de la reconduire. Juste la remarque, c'était par rapport au montant conséquent, qui est 700 000 euros. 400 000 euros. Mais de pourquoi plus 700 par 000 euros? Ça n'a rien à voir, c'est 10 000 euros. Non, mais je vous faisais la remarque, c'était par rapport également à la subvention annuelle globale qui est donnée aux écoles privées. Oui, qui est fixée par la loi. C'est quand même 400 000 euros en plus sur 2021 et les années suivantes. Donc du coup, c'est vrai que cette somme me paraissait, comme elle est facultative, je vous demandais pourquoi, la raison fondamentale. Je vous dis, c'est une construction qui date de 2009 et que j'assume. Merci pour votre intervention. Donc, du coup, je peux revenir à la délibération. Rapport numéro 20, donc des oppositions, des abstentions, une ou quatre? C'est tout le groupe? Non, pas d'abstention du tout. Du coup, il n'y a pas d'abstention, d'accord. Adopté par l'Assemblée, du coup. Merci beaucoup. Rapport 21, bilan des acquisitions et des ventes réalisées. En 2020, Madame Reynaud, où est-ce qu'elle est? Parce qu'on change de disposition à chaque fois. Pardon. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir. Oui, il s'agit d'un rapport récapitulatif de toutes les acquisitions et cessions votées en conseil municipal pour l'année 2020. En résumé, donc, il s'agit, tel que c'est écrit là, de l'acquisition par la commune d'un terrain avec M. Serre, d'un échange acté par la commune avec la société PLS, de la liste des cessions actées par la commune, vous avez la liste après, je vais vous épargner la lecture, de toutes les acquisitions réalisées par Epora pour la ZAC Montplaisir et des ventes réalisées par Epora à la Serle dans le cadre de la ZAC Montplaisir. Donc rien de neuf, tout a été normalement voté en conseil municipal sur l'année 2020. Donc il vous est juste, vous êtes appelé à approuver le bilan des acquisitions et des cessions réalisées au cours de l'année précédente. C'est un document récent, légal, qui date il y a 2-3 ans, je crois, de mémoire, ou peut-être 3-4 ans, je ne sais plus, qui oblige à relister toutes les délibérations qu'on a prises sur l'année sur les acquisitions ou ventes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Pas de questions, des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, merci. Monsieur Alix, garantie d'emprunt SEMCODA, réaménagement du prêt de la Caisse des dépôts et consignations et réitération de la garantie d'emprunt à hauteur de 100%. J'ai tout dit? Oui, c'est tout simple. On avait accordé notre garantie à la SEMCODA en 2009 pour un prêt qu'elle avait souscrit pour des logements rue de la Maladière. La SEMCODA renégocie les conditions et la durée du prêt, compte tenu du marché, des taux de marché. Donc, de ce fait, notre garantie d'emprunt devient caduque. On est obligé de la renouveler, de la réitérer. Voilà. Ça ne change rien, en fait, à nos engagements. Donc, il est proposé de permettre à M. le maire de signer cet engagement, cette présente garantie d'emprunt. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Adopté à l'unanimité. On passe à un rapport
important puisque c'est l'acceptation de la 10e donation de monsieur et madame Paul Digny. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Un rapport important, en effet, comme vous le dites, monsieur le maire, puisqu'il y a 20 ans, monsieur et madame Digny faisaient leur première donation, une donation de 400 œuvres à la ville de Villefranche. Et nous sommes aujourd'hui donc en ce conseil municipal réuni pour valider, adopter cette 10e donation qui est tout à fait importante. Peut-être vous rappeler le rôle de notre musée dans l'attractivité de la ville, hein, dans tout ce qui est épanouissement aussi pour les jeunes de la cité, pour nos habitants, bien sûr. Et rappeler donc que la ville a beaucoup investi, elle aussi, hein, pour son musée. Une équipe de 12 personnes qui lui permettent de remplir ses missions de musée de France. Et c'est aussi des travaux réalisés récemment et puis encore demain, certainement, pour agrandir les réserves du musée. Donc, c'est important, les investissements pour la culture. Et moi, je salue, bien sûr, l'ambition de notre exécutif pour la culture. Donc, je vous l'ai dit, monsieur et madame Digny ont fait 9 donations. Chaque donation venant compléter la collection qui représentait alors un ensemble de 700 peintures et de 190 artistes. Vous le savez, notre musée municipal Paul Digny a cette spécificité qui avait été proposée par le collectionneur, M. Digny, et par les donateurs, M. et Mme Digny, d'être justement un musée qui réunit une collection d'artistes qui ont un lien de vie ou de travail avec la région Rhône-Alpes sur une période qui débutait vers 1860. Et donc, au moment de la 9e donation, nous avons élargi un petit peu le spectre historique, puisque c'est à partir de 1800 maintenant, de 1800 à aujourd'hui. Et puis surtout, Monsieur Digny et Madame ont fait part de leur part, de leur volonté, de leur souhait, d'élargir à l'Auvergne cette collection du musée Paul Digny, ce qui est logique, puisque effectivement, la région, ça ne vous a pas échappé, est plus grande aujourd'hui, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est non plus seulement Rhône-Alpes. Donc je voulais vous présenter assez rapidement, mais quand même avec quelques images, un certain nombre donc de spécificités, hein, concernant cette donation. Donc l'extension à l'Auvergne, comme vous le voyez, avec donc des artistes comme Charles Jaffeux ou Gabriel Moiselet, donc des paysages ou des scènes de genre, mais aussi avec une jeune artiste, Christine Guinamant, qui est née à Issingeau, qui est vraiment toute jeune, puisqu'elle est née en 1974. Et donc, j'attire votre attention sur le symbole de cette toile, très chère à M. Digny, puisqu'effectivement, cette toile fait 5 mètres de long. Et donc, vous aurez le plaisir de la voir dans la nouvelle expo de Cornille, bien sûr, tout comme les autres, hein, qui aura donc pour objectif de célébrer à la fois cette 10e donation, mais aussi les 20 ans de notre musée dans les mois qui viennent. Donc ça, c'était effectivement vraiment une artiste emblématique. Dans les raisons, les critères en fait qui ont vraiment poussé M. Digny aussi à faire cette donation, il souhaitait vraiment faire la part belle au caladois Marcel Michaud, hein, qui était donc un ouvrier qui est mort en 1958, qui était caladois bien sûr, ouvrier devenu animateur culturel. Et il a créé le groupe Témoignages, qui est effectivement très cher à M. Digny et aussi très spécifique de notre musée, hein, puisque le groupe Témoignages a été créé en 1936. Et donc là, bah, vous allez voir, hein, c'est Jean Berthold, c'est Alfred Manessier, c'est l'oiseau tonnerre assez célèbre de Vladimir Varbanesco. Voilà, vous avez donc un certain nombre de toiles qui sont tout à fait intéressantes et qui viennent donc compléter la collection du musée, puisque effectivement ce sont des artistes de la scène lyonnaise assez nombreux. Parmi les éléments à noter de cette 10e donation qui est vraiment intéressante, c'est aussi l'entrée, en tout cas oui, un peu plus, parce qu'il y avait déjà un petit peu de sculpture, mais là c'est de nouvelles sculptures qui viennent donc s'ajouter à notre collection, avec Georges Salandre, par exemple, ou Marcel Gimond, mais aussi avec Martine Claire, Étienne Martin, et puis avec Daniel Firmant, qui est encore vivant, hein, qui est vénitieux, et qui passe aussi un petit peu de temps aux États-Unis,
avec des œuvres que vous avez peut-être déjà vues ou croisées au musée, puisqu'il y a la colonne de pneus qui est donnée dans cette donation par M. Digny, ainsi que Emmanuel Debout, que vous voyez. Ce sont aussi donc des œuvres plus petites, mais tout à fait intéressantes, puisqu'elles expliquent un petit peu les débuts du sculpteur. Et puis, je voudrais m'arrêter deux minutes sur cette nouvelle sculpture qui a été spécialement commandée et financée, bien sûr, par M. Digny dans le cadre de cette 10e donation. C'est donc le monochrome qui a été fait l'année dernière, en 2020. C'est donc l'homme d'aujourd'hui, qui est sous le poids des visions matérielles. Hein. Voilà, c'est un petit peu ce que Daniel Firmant nous explique dans cette sculpture magnifique que vous aurez donc l'occasion de voir dès que le musée pourra réouvrir à l'espace Grenette. Voilà, donc je voulais vraiment à ce titre-là remercier M. Digny, puisque j'en profite, cette œuvre est vraiment emblématique de la collaboration que nous avons avec M. Digny. C'est-à-dire que voilà, le musée a besoin effectivement d'enrichir sa collection, et M. Digny est toujours très très force de proposition, très moteur, très à l'écoute aussi hein, des objectifs, des ambitions, des nouvelles rencontres, hein, des nouveaux artistes par exemple. Et donc je voudrais vraiment à ce titre-là le remercier. Ah, alors là j'ai dû aller un peu vite. L'objectif aussi important, c'est de consolider l'existant, que vous connaissez donc un peu. Enfin, là, c'est les œuvres de la nouvelle donation, avec bien sûr des œuvres fantastiques et magnifiques, comme par exemple La Faunesse endormie de Jean Puy. Voilà, donc célèbre dans notre région, et notre collection sera vraiment très, très emblématique de cet artiste. Là, vous voyez encore des Jean Puy. Voilà, Suzanne Valadon, que vous connaissez aussi certainement, avec l'église de Saint-Bernard, par exemple, qui est assez magnifique et qui parle évidemment à notre territoire de façon très précise. Des paysagistes un petit peu plus anciens, Balouzet, Hector Allemand. Oh, je vais encore trop vite, désolée. Voilà, alors on voit un petit peu moins, mais bon, c'est aussi des artistes que l'on avait, hein, par exemple Jonquinde ou alors Baudin. Et puis Louis Appian, bien sûr, Antoine Vollon, voilà, Daniel Girin. Les symbolistes, bon, je suis désolée, c'est un petit peu noir avec évidemment Auguste Morisot, par exemple. Voilà. Oh. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, donc des femmes, alors les femmes artistes que vous avez eu l'occasion de croiser aussi, enfin les œuvres d'abord, puis les femmes ensuite, puisque ce sont des femmes artistes comme Émilie Charmy ou Georgette Agut, mais aussi des femmes d'aujourd'hui hein, qui viennent compléter cette collection. Donc là, on est évidemment sur des femmes qui ne sont plus là. Voilà, non, ça c'est plus... Voilà. Mais c'est vrai que certaines œuvres aussi, vous aurez l'occasion de les voir à Cornil, hein. Avec des jeunes artistes féminines qui ont été achetées récemment par M. Digny pour venir enrichir la collection de notre musée. En tout, je voudrais vraiment insister sur le fait que nous serons à plus de 925 œuvres qui ont été données en tout par M. Digny, avec des artistes qui sont nouveaux en plus. Il y a 25 nouveaux artistes. Je voudrais dire que sur la collection du musée, qui est à peu près de 1400 œuvres, évidemment, les donations de M. Digny sont très, très importantes et bien tout à fait majoritaires. Vous dire aussi quand même, c'est important, que le montant de cette donation, la valeur estimée est à 1,8 million, hein, donc vous l'avez sur le rapport. Et donc, je voudrais encore à ce titre vraiment remercier M. Digny, M. et Mme Digny, puisque ce sont M. et Mme Digny qui sont les donateurs. Vous dire peut-être, parce que vous le voyez dans le rapport, que c'est une donation sous réserve d'usufruit, ce qui veut dire que on en sera propriétaire à compter de la signature de l'acte de donation notarié et qu'on en aura la jouissance au décès du dernier survivant des donateurs, mais que M. Digny m'a déjà demandé de rajouter que c'était sauf accord nouveau, étant précisé bien sûr que le musée pourra en disposer pour ses accrochages ainsi que pour les prêts, comme on le fait déjà depuis longtemps. Donc pas de problème évidemment, bien au contraire, les œuvres sont chez M. Digny bien conservées et ça nous arrange le temps de faire ces travaux pour nos réserves aussi, puisque évidemment
ce sont 200 œuvres de plus qu'il faut conserver et dont il faut évidemment s'occuper et stocker correctement. Donc nous avons là aussi une charge et je remercie encore Monsieur le maire d'avoir ouvert le débat et fait le nécessaire pour pouvoir accueillir cette nouvelle donation dans les années qui viennent. Voilà, vous rappelez aussi que donc, cette année, le musée a 20 ans, que c'est effectivement donc, plusieurs expositions, dès qu'on le pourra, en fait, elles sont prêtes, elles vous attendent, les expos. On verra si au mois de mai, on arrive à faire cette inauguration qui nous tient beaucoup à cœur. Hein, 20 ans du musée Paul Dini, c'est important pour notre ville de Villefranche. On en est très fiers de notre musée. Ces 20 ans seront aussi bien sûr l'occasion de remercier comme il se doit Paul et Muguet Dini pour tout ce qu'ils ont fait et pour leur soutien sans condition bien sûr à notre ville et à notre musée. Voilà, monsieur le maire, je crois que j'ai un petit peu expliqué les choses. Vous avez donc les 20 ans sur les espaces Grenette et Cornille qui seront donc célébrés avec donc toutes ces œuvres de la 10e donation qui seront donc accrochées spécialement, bien sûr. Donc j'en ai déjà vu une petite partie et c'est vraiment formidable de voir toutes ces nouveautés, hein, beaucoup de choses que l'on ne connaît pas et qui sont vraiment très, très intéressantes. Vous dire aussi qu'un catalogue sera édité à l'automne 2021. Puisque, comme nous l'avions fait précédemment, eh bien, le choix du collectionneur est important. Et je viens donc de vous expliquer le choix de notre collectionneur Paul Dini au cours de cette présentation. Voilà, monsieur le maire, vous l'aviez dit, c'est vraiment un rapport important et je tiens à nouveau vraiment à remercier Paul et Muguet Dini. Et on souhaitait vous présenter un peu plus largement les choses qu'on ne le fait d'habitude, parce qu'on a des fois des donations un petit peu, quantité un peu plus réduite, mais là... Vous l'avez rappelé, plus de 900 œuvres au total sur ce qui est compté au musée, dans le fond du musée, 200 dans cette donation qui est majeure à la fois par sa qualité et sa quantité. Et la ville peut quand même témoigner de sa reconnaissance. Je rappelle que plus de la moitié des visites sont des scolaires également, hein, au musée Dini. C'est un vrai éveil aussi à l'art pictural, à l'art contemplatif, à la sculpture, différentes formes de médiation culturelle qui sont extrêmement importantes dans notre ville. Et un musée qui progresse lui aussi sans cesse dans sa reconnaissance des musées de villes moyennes de France. Puisque avec des collaborations prestigieuses, hein, que ce soit la piscine de Roubaix, le Louvre, certains grands équipements nationaux qui collaborent avec nos équipes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions sur cette délibération, des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité ? Merci pour cette délibération. Rapport numéro 24, Madame Berthou, la convention avec le CNAS. Oui, alors tout est quasiment dans le titre. Là aussi, nous vous proposons d'appliquer le tarif d'entrée réduit au musée Dini pour les adhérents donc, du Centre national d'action sociale et leurs ayants droit. Et en fait, l'objet du rapport, c'est d'appliquer le nouveau tarif réduit qui est de 4 euros au lieu de 3. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité. L'avenant à la convention tripartite Label Pays d'art et d'histoire du Beaujolais. Oui, alors simplement pour expliquer un petit peu l'objet de ce rapport, c'est de vous rappeler que le label Pays d'art et d'histoire est donc porté juridiquement par la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône, mais que nous sommes trois collectivités à travailler et à être donc ensemble sur ce label, la ville de Villefranche, la communauté de communes des Pierres Dorées et l'agglomération, comme je vous l'ai dit. Donc simplement, là, c'est un avenant à la convention tripartite qui avait été initialement signée entre les trois collectivités pour partager, je dirais, ou en tout cas se remettre autour de la table pour financer les moyens. C'est suite à la réorganisation de la Maison du patrimoine, puisque deux agents de la Maison du patrimoine sont partis, l'un aux archives, l'autre à la direction de la culture. Donc là, le rapport a pour objectif de vous redire, enfin de vous présenter donc le service ressources qui porte le label Pays d'art et d'histoire et qui est donc la Maison du patrimoine, que ce service est donc aujourd'hui, j'allais dire équipé, c'est pas bien le mot, mais en tout cas qu'il y a aujourd'hui deux agents au sein de ce service, qu'un troisième va bientôt être en cours de recrutement même. Et donc, l'objectif, c'est donc de vous montrer le partage des charges. Donc, la ville de Villefranche finance 40%
des trois agents et les deux communautés de communes, 30% chacune. Voilà, donc je voudrais à ce titre-là remercier bien sûr la ville de Villefranche, sans laquelle effectivement on n'aurait pas pu commencer ce label, puisqu'il fallait un service ressources et que ce service ressources effectivement était à Villefranche. Mais je remercie aussi bien sûr les deux collectivités, les communautés de communes des Pierres Dorées et l'Aglo, pour bien sûr le cofinancement et le portage politique aussi et juridique donc de ce beau label. Simplement vous rappeler que le label, ce sont des visites, ce sont des expos, ce sont des ateliers pour les jeunes, de nouvelles visites guidées à l'Office du tourisme, beaucoup de visites sur le patrimoine pour les jeunes en lien avec les écoles, hein, pour comprendre l'architecture, le patrimoine, l'histoire de sa commune. Et donc rappeler que c'est bien un label qui s'étend sur 50 communes. Hein. Voilà, donc c'est assez important. Alors évidemment, avec le Covid, c'est un petit peu compromis tout ça, mais tout devrait reprendre dès que possible. Et ça contribue bien sûr à l'attractivité, là aussi, de l'agglomération des Pierres Dorées, de la ville et donc du Beaujolais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité. Madame Blanc, pour le rapport suivant sur l'évolution du dispositif projet jeune. Oui, donc cette délibération concerne l'évolution du projet jeune avec un ajout d'une finalité individuelle. En effet, le service jeunesse ne se résume pas, le pauvre service jeunesse ne se résume pas seulement à son centre de loisirs. Nous proposons aux jeunes des démarches de projets qui sont travaillées avec eux et pour eux dans une dynamique ambitieuse d'accompagnement de leur parcours de vie. Ils participent à des chantiers éducatifs qui sont encadrés par des animateurs du service jeunesse afin d'autofinancer leurs projets collectifs jusque-là. Ils sont donc subventionnés dans le cadre des dispositifs politique de la ville. Ils avaient jusqu'à ce jour toujours des visées collectives. Donc, par exemple, il y avait un projet de voyage à New York au Garret, avec les jeunes du Garret, le tour des capitales européennes du foot avec les jeunes de Béligny et de Belleroche. Il y a eu des voyages humanitaires. Donc, vous imaginez bien qu'avec le Covid, ces projets, ils n'ont pas pu avoir lieu et ils ne pourront pas avoir lieu avant un certain nombre de mois. Donc, on se devait donc de mettre en place une rétribution individuelle des chantiers effectués par les jeunes. Ils attendaient ça avec impatience. Nous avons souhaité que celle-ci revête un caractère compatible avec des notions de développement personnel et d'intégration des jeunes dans la société, donc par la formation, les pratiques sportives, artistiques et culturelles. Vous avez vu les catégories de dépenses qu'on a choisies, des abonnements dans les salles de sport, des licences sportives, des abonnements culturels, des formations qualifiantes comme le BAFA, les leçons de conduite, des équipements informatiques. Les sommes ne sont pas versées directement aux jeunes, mais aux prestataires, bien évidemment. Donc, après examen par les membres de la commission épanouissement, le conseil municipal est appelé à ajouter cette finalité individuelle pour la rétribution proportionnelle au temps de travail de chaque jeune des subventions perçues lors des chantiers éducatifs. Voilà, et d'approuver les catégories de dépenses que je vous ai citées au-dessus. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité. Merci. Sujet important aussi, l'action contre le moustique-tigre. Je crois qu'ici, ils sont mis à deux. Alexandre Portier, Olivier Mandon, je ne sais pas lequel commence. C'est M. Portier, je vous en prie. On s'est mis à deux et même, pour être honnête, à trois. Puisqu'à ce rapport, on associe également Muriel, qui a suivi la mise en relation et la construction du projet au titre du département du Rhône. Simplement, ce rapport consiste à la mise en place d'une initiative pilote entre les communes de Villefranche, de Lima, du département du Rhône, et puis deux associations qui sont l'EID Rhône-Alpes et le Frodon Aura, deux structures qui sont chargées de la lutte contre les moustiques, contre les espèces nuisantes, et qui provoquent des troubles de plus en plus fréquents dans des pays qui jusqu'ici étaient à l'abri de ces difficultés-là. En ce qui concerne le moustique-tigre, la ville de Villefranche s'est engagée ces dernières années sur un certain nombre d'actions, de prévention, de sensibilisation. Olivier y reviendra par la suite. Et c'est à ce titre-là que la ville de Villefranche et la commune de Lima, puisque Lima également s'est fortement investie sur cette problématique-là, ont été sollicités pour la mise en place d'une initiative pilote. Cette initiative pilote, elle a été baptisée par le département Action Moustique-Tigre. Et elle consiste essentiellement en trois phases. Trois phases, la première étant la réalisation d'un diagnostic pour identifier les zones sur ces deux communes qui sont les plus propices et qui présentent le plus de risques aujourd'hui en termes de prolifération.
La deuxième phase, c'est une phase de définition et de mise en œuvre d'une stratégie, une stratégie plurielle avec un certain nombre d'actions, de solutions techniques. Et l'idée ici, c'est très clairement de s'appuyer sur l'expertise de ces deux structures, qui sont des structures d'envergure, qui interviennent partout dans notre région, pour justement proposer des solutions déployables ensuite dans le long terme par les communes, et dont les communes puissent se saisir et se faire le relais à travers leurs agents, à travers les élus, à travers un certain nombre d'associations éventuellement de quartiers. Et le troisième niveau dans le cadre de ce plan d'action, c'est l'élaboration d'un rapport de synthèse du plan d'action en fin de campagne. Donc en fait, on a une stratégie qui est graduée, qui se veut complète, et l'idée du département du Rhône en accompagnant ça, mais Muriel pourra le compléter au besoin, c'était vraiment de pousser au maximum l'action intensive sur un territoire donné, de produire une méthodologie aussi qui soit claire, et de pouvoir en tirer des leçons qu'à la fin on pourrait idéalement exporter sur d'autres communes, d'autres territoires, si elles fonctionnent. L'intérêt de la démarche pour les communes, c'est qu'elle a aussi bénéficié d'un petit coup de pouce financier, puisque le département finance la moitié du programme et qu'il reste donc à charge des communes de Lima et de Villefranche, une part modeste. Pour Villefranche, cela représenterait 2 362,50 €. Voilà. Alors c'est vrai que, merci, bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai qu'Alexandre nous a dit beaucoup de choses. Moi, je voulais revenir sur un petit peu sur le travail éducatif qui a été fait, puisqu'on a essayé de travailler dans un premier temps avec le département sur la mise en place d'actions éducatives pour performer sur le fait de ne plus avoir des zones de points d'eau inertes. Donc on a été travailler dans certains quartiers de Villefranche qui étaient les plus touchés par rapport aux moustiques tigres. Je me permets de vous rappeler à toutes et à tous de bien passer ce message que véritablement le moustique tigre arrive à déposer des larves pour vous donner la taille d'une cuillère à soupe et très rapidement va se propager donc ce moustique. Donc il faut vraiment être vigilant par rapport à ça, donc toutes les soucoupes que vous avez sur les plantes que vous avez dehors, que ce soit sur les balcons ou dans les jardins. Ensuite, donc, ce qui est intéressant, donc, le fait de chercher et d'étudier les zones qui sont les plus sensibles et les plus sujettes au développement. J'ai un petit exemple qui a été donné parce qu'on a été un petit peu regardé sur ce qui se fait dans d'autres communes. Au niveau de Strasbourg, on s'est rendu compte que les points les plus sensibles étaient aujourd'hui les réserves d'eau, donc des caniveaux. Vous savez que l'eau s'écoule dans le caniveau et vous avez un point d'eau qui reste en permanence pour éviter d'avoir des remontées d'odeur des égouts. Et c'est souvent là que les moustiques tigres se développent. Donc c'est très intéressant qu'on lance cette étude pour avoir un vrai diagnostic et pouvoir agir vraiment en synergie. Et il faut essayer de le faire à plusieurs communes parce que si vous le faites que sur une zone, ça va se développer ailleurs. Donc c'est la même chose qui est en place aujourd'hui avec l'agglomération sur le frelon asiatique qui est véritablement un gros problème sur la biodiversité. Et puis pour rester sur le sujet, donc on a beaucoup parlé ce soir, j'ai entendu parler pas mal du développement durable, et vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je voulais quand même rappeler à ce conseil municipal, c'est qu'aujourd'hui, dans l'exécutif municipal, l'ensemble des collègues qui m'accompagnent sont engagés dans une démarche collective. L'ensemble des sujets, l'ensemble des dossiers qui sont abordés en réfléchissant pour l'avenir, dans le cadre du développement durable, et aussi avec le travail des services. Donc en fait, même si aujourd'hui des chiffres n'apparaissent pas importants, sachez que j'y veille et que c'est intégré dans l'ensemble des actions de notre collectivité. Et je voulais le préciser. Donc pour revenir au rapport, donc monsieur le maire, par rapport au, il est demandé donc d'approuver la convention de partenariat et de passer entre les communes de Villefranche et de Lima, le département du Rhône, une convention d'un programme de pilote anti-moustique tigre. Merci. Voilà. Merci pour cette présentation. Ça peut paraître, c'est les joies de la vie municipale. On passe d'un budget de 40 millions de dépenses de fonctionnement au moustique tigre en passant par les expositions culturelles et les garanties d'emprunt. Mais c'est un vrai sujet important qui apporte beaucoup de nuisances quand même sur la ville. C'était difficile l'année dernière pour beaucoup de nos habitants. Il y a un vrai travail de sensibilisation parce que c'est un travail collectif qui est difficile à réaliser. Sinon, Madame Blanc, vous lui apportez un complément? Oui, parce que vous m'avez laissé la joie d'être référente du moustique tigre au niveau du département sur notre commune. Donc moi, j'ai travaillé auprès de Sylvie Épina, qui est la collègue en charge du moustique tigre au département. Et je suis ravie qu'on soit retenu comme projet pilote. Moi, ce qui me semble important, c'est peut-être aussi pour nous qui sommes là ce soir, c'est que il y a des questions aussi individuelles et des bons gestes à savoir. Alors, je vous ai tous remis dans votre casier
le petit flyer qu'on avait déjà fait l'année dernière, qui sera peut-être réactualisé grâce à notre nouvelle étude. Et donc, moi, ce que j'ai retenu, c'est bâcher, couvrir et vider les récipients. Voilà. Après, ce n'est pas miraculeux. Il ne faut pas s'attendre qu'il n'y ait plus de moustiques tiques du tout. Mais déjà, si on essaye de faire ça, si on essaye d'être ambassadeur dans notre quartier, avec nos voisins, si on a des bonnes relations avec ses voisins, on en a parlé entre collègues, c'est des fois pas toujours simple à expliquer aux voisins. Mais voilà, après, chacun fait comme il peut. Voilà, faisons équipe avant qu'il pique. C'est le... Sur ce dernier mot, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions adoptées à l'unanimité ? Je vous remercie. Convention relative à l'organisation des mesures de responsabilisation à passer entre la commune de Villefranche et le collège Jean Moulin, monsieur Portier. Oui, donc dans le cadre du développement des mesures de réparation et de réinsertion sur le territoire, un groupe de travail au sein du CLSPD a identifié un certain nombre de dispositifs qu'on souhaite développer sur le territoire. Et à ce titre-là, en particulier, ce que l'on appelle les mesures de responsabilisation. Je rappelle que les mesures de responsabilisation, c'est un dispositif national qui existe et qui est prévu par le Code de l'éducation. Ce n'est pas une invention maison de la ville de Villefranche. Mais c'est par contre un sujet dont on souhaite s'emparer, le développer. Et quand je dis on, c'est en particulier un établissement, le Collège Jean Moulin, qui, très volontaire, comme à son habitude, a souhaité pouvoir être accompagné dans le cadre de la mise en place de ces mesures. Ces mesures, c'est un outil parmi d'autres, je tiens à le préciser, ce n'est pas la mesure disciplinaire ou la sanction qui doit répondre à l'ensemble des difficultés, mais c'est une corde supplémentaire dont on veut se doter avec l'établissement pour pouvoir agir dans le cadre du parcours éducatif, pédagogique et pour accompagner au mieux les jeunes dans leur apprentissage des règles de vie en société. Ces mesures de responsabilisation, quelques points de rappel, c'est une mesure qui est encadrée dans le temps notamment. Elles peuvent se faire dans un maximum de 20 heures, 4 jours par semaine, à hauteur de 3 heures par jour au maximum. Encadrées également, puisqu'elles se font toujours avec l'autorisation des parents, évidemment, et des représentants légaux, que pendant tout le temps de ces mesures de responsabilisation, l'élève reste sous statut scolaire et donc sous l'autorité du chef d'établissement, que le contenu de la mesure qui est définie est également défini précisément par le chef d'établissement sous son autorité. La mesure de responsabilisation, elle peut être utilisée dans deux types de situations, comme sanction et puis comme alternative à une sanction d'exclusion. Donc le détail est précis dans la convention et dans la délibération. Et l'intérêt de cette mesure de responsabilisation, comme mesure intermédiaire, comme mesure complémentaire dans le cadre d'un panel de solutions dont on se dote, c'est finalement de pouvoir avoir un travail pédagogique sur l'élève en proximité et de pouvoir le faire réfléchir sur ses actes sans forcément tomber dans des logiques excluantes du type exclusion d'un établissement. On manque souvent de dispositifs d'accompagnement, de compréhension, de travail sur l'élève et cette mesure de responsabilisation s'inscrit dans cet éventail-là. Donc dans ce cadre-là, le Collège Jean Moulin lui a souhaité pouvoir bénéficier d'un accompagnement du CLSPD pour deux types de raisons assez simples. Pour l'élaboration de ces mesures de responsabilisation, pour l'élaboration du process au niveau local, pour pouvoir les mobiliser dans son établissement et être accompagné dans la définition des procédures, des types de sanctions, sur la portée pédagogique de ces actions. Et puis également pour mettre en place la logique partenariale, c'est-à-dire la possibilité d'accueil dans une structure tierce, puisque la mesure de responsabilisation a cette vertu, c'est de sortir l'élève du seul milieu scolaire pour le confronter à d'autres échanges avec d'autres adultes, d'autres interlocuteurs. La force que l'on a aujourd'hui au niveau du CLSPD, du Conseil local des sécurités et de prévention de la délinquance, c'est qu'on a un réseau de plus de 50 partenaires et donc potentiellement demain autant de partenaires qui peuvent être des accueillants. Alors on a le SDMIS, les pompiers, le foyer l'accueil et des dizaines d'autres partenaires qui peuvent nous accompagner dans le déploiement et la construction de ces solutions au niveau local. Mais c'est aussi, pour la ville de Villefranche, la possibilité pour elle-même d'être structure d'accueil et de pouvoir sortir ces jeunes, les confronter à des réalités, leur donner le sens aussi des actions qu'ils peuvent conduire et commettre au quotidien. Et c'est voilà, le double aspect de cette convention, à la fois
apporter un carnet d'adresses, en quelque sorte, au collège Jean Moulin, l'accompagner dans la méthodologie et lui offrir une solution côté ville de Villefranche dans le cadre de cet accueil. Voilà. Donc on part sur une convention pour un engagement d'un an et qui serait renouvelée ensuite moyennant un bilan annuel. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, des oppositions, des abstentions, adoptées à l'unanimité, merci. Convention 4 de partenariat avec la commune de Jassan relative à la sécurité et à la prévention de la délinquance. Alors on a une série de conventions effectivement sur les partenariats en matière de sécurité et de prévention de la délinquance. Oui, oui, c'est aussi bon, ça. Sur la suite et interne. Et en fait, toutes sont liées. La première convention est une convention cadre et les suivantes viennent finalement se greffer et contextualiser, préciser des aspects qui sont évoqués dans les suivantes. Pour faire simple, les communes de Villefranche et de Jassan ont le souhait de coordonner leur politique de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de difficultés auxquelles on est confronté ensemble, que ce soit du fait des liens historiques qu'on peut avoir entre les habitants de nos communes, la communication régulière, les flux quotidiens entre les habitants, la participation à une même agglomération, les difficultés qu'on peut avoir sur notre réseau de transport. On a tout un tas de conditions qui font qu'aujourd'hui, il y a une vraie opportunité et un vrai intérêt à regarder les questions de sécurité et de prévention au-delà des seules frontières communales. On a donc, après plusieurs mois de travail, pour comprendre ce qu'on pouvait mettre en place, plusieurs mois de réflexion, souhaité élaborer un cadre commun en vue d'un rapprochement et d'un partage de nos politiques de sécurité et de prévention. C'est une volonté commune et partagée, dont la première pierre, la première condition, c'est de mobiliser les services municipaux. On pense à la police municipale en matière de sécurité, mais ce n'est pas que ça. C'est évidemment le CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est le service de vidéoprotection. Mais derrière aussi, c'est tous les acteurs qu'on peut mobiliser dans le cadre du CLSPD et les acteurs qui sont engagés en matière de prévention, les établissements scolaires. On a fréquemment des jeunes de Jassan qui sont scolarisés dans des établissements de Villefranche. Et il y a une vraie logique à aborder tout ça ensemble. On a identifié trois objectifs clés pour être méthodique dans le cadre de ce partenariat et que cette convention, qui est annexée à la délibération, identifie. Le premier, c'est la co-construction d'une stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la matrice des actions d'un CLSPD, c'est ce qu'on appelle un plan local de sécurité et de prévention de la délinquance. Et cette stratégie locale, elle doit toujours être construite en fonction d'une stratégie nationale. La dernière a été éditée en 2020, et donc il est l'heure pour les communes de construire leur nouvelle stratégie à la lumière des règles qui ont été, du cadre qui a été posé en 2020. Et donc les deux communes souhaitent pouvoir définir leur stratégie ensemble, partager leur diagnostic, et puis partager également les actions de prévention, les réponses opérationnelles qu'elles peuvent apporter. Il y a comme deuxième objectif la mise en place d'une gouvernance partagée, et ça passe notamment par la participation réciproque aux conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance des deux communes. Villefranche a un CLSPD qui fonctionne bien depuis de nombreuses années. Jassan en a eu un qui a été en sommeil pendant longtemps, souhaite le réactiver. Et l'idée, c'est d'avoir un partenariat soudé, très opérationnel, sur les questions éducation nationale, les questions bailleurs, les questions organismes de transport, pour accompagner non seulement Jassan dans sa montée en puissance au niveau du CLSPD dans son travail de prévention du quotidien, mais aussi pour que nos cellules, nos instances CLSPD soient quasi fusionnées et qu'il y ait une communication totale entre nos services. Et la dernière étape, le dernier objectif, c'est la convergence et la mutualisation progressive des moyens et notamment tout ce qui peut être lié aux questions d'équipement, de formation, de vidéoprotection, pour que la réponse à la fin sur le terrain soit la plus opérationnelle et la plus adaptée aux besoins que l'on peut avoir. Et c'est là ce que je disais, que finalement cette convention elle sert de matrice pour comprendre les conventions qui suivent. Je ne serai pas plus long parce qu'on en avait discuté déjà en commission. Je vais peut-être passer simplement aux conventions suivantes. On souhaitait quand même rappeler qu'au-delà de cet engagement des deux communes, qui est un engagement volontaire, on a évoqué tout à l'heure au moment du vote du budget les moyens importants qui étaient mis en place par la ville en matière de sécurité, en matière de vidéoprotection, en matière de recrutement de policiers municipaux. La commune de Jassan est dans le même esprit de monter en puissance face aux demandes des habitants, aux demandes des citoyens et de renforcer la réponse opérationnelle qui est apportée.
Les deux communes partagent cette volonté, c'est ce qui a permis un rapprochement et un travail commun. On souhaitait quand même rappeler aussi dans le cadre de ce rapport que ça n'avait pas pour autant été une substitution aux obligations de l'État en matière de sécurité. Et on souhaite aussi, à travers cette convention commune, porter la même exigence derrière auprès des services de l'État, auprès des forces de police nationales sur notre commune et auprès de la gendarmerie nationale sur la commune de Jassan. Sur les autres conventions, la suivante porte sur l'interopérabilité du réseau de radiocommunication entre les deux communes. Là, on est vraiment dans le très opérationnel. La ville de Villefranche dispose d'un réseau de radio doté de 40 talkie-walkie. Et il s'agit aujourd'hui de permettre l'intégration des talkie-walkie de la commune de Jassan sur notre réseau, tout simplement pour que nos agents puissent communiquer au quotidien sur le suivi de la délinquance dans notre ville. On a une convention suivante sur la formation des policiers municipaux. Les policiers municipaux suivent trois types de formations, pour être précis. Une formation initiale obligatoire qui est totalement gérée sous l'égide du CNFPT, qui n'est pas entre les mains des communes. Et ensuite, dans le cadre de leur parcours professionnel, deux types de formations, les formations d'entraînement à l'armement et puis des formations de professionnalisation. Dans le cadre de notre partenariat avec Jassan, il est proposé donc d'intégrer les agents de police municipale de Jassan dans les formations de Villefranche. Pourquoi ? Parce qu'on a un historique, une maîtrise assez forte sur ces questions. On a notamment un formateur du CNFPT dans nos équipes, en la personne du responsable adjoint de la police municipale. Et donc la commune de Jassan était très intéressée à pouvoir participer à ces formations. D'autant plus que c'est sans contrepartie financière, puisqu'il viendrait utiliser notre stand de tir qui est donc à l'IRAC. Et puis, pour les formations de professionnalisation, c'est notamment toutes les formations qui vont être liées aux exercices attentats, aux questions de prévention de la radicalisation, toutes les formations qui peuvent être à destination des jeunes et à faciliter finalement l'intervention au quotidien des agents sur le territoire. Là, on coordonnera également les formations pour avoir finalement le même niveau d'exigence, le même bagage au quotidien dans nos interventions. Mais les formations, évidemment, sollicitées par la ville de Jassan seraient assez frais. Voilà, resteraient assez frais. Et j'ai dû oublier une convention au passage. Et ben non. Ben non, c'est tout bon. Non, non, c'est tout bon. Bon. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Je mets les conventions aux voix. Donc, la numéro 29, donc, partenariat relatif à la sécurité et à la prévention de la délinquance. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité ? La numéro 30, qui concerne l'interopérabilité du réseau de radiocommunication. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité ? Merci. La 31 sur la formation des policiers, toujours dans le même cadre conventionnel. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité ? Merci. Passe une opération d'aménagement, secteur Gambetta, Roncevaux, Leclerc, Salengros, monsieur Froment. Oui, chers collègues, bonsoir. Donc, nous en venons à un certain nombre d'opérations d'urbanisme. Comme vous le savez, notre territoire caladois est particulièrement attractif pour les promoteurs. Et nous devons faire face à une pression assez importante. Donc c'est ce rapport que je vous présente ce soir répond effectivement à cette volonté que nous avons affichée en 2020 lors des élections à maîtriser l'aménagement de notre territoire, à maîtriser les opérations d'urbanisme, à lutter un peu contre la pression des promoteurs et de rester les maîtres du temps et les maîtres de l'espace sur notre ville. Nous sommes ici, vous avez le secteur qui s'affiche, nous sommes dans un secteur effectivement qui constitue un secteur à enjeu pour qui est une porte d'entrée du nord-ouest de notre ville, le secteur donc Gambetta, Roncevaux, Leclerc, Salengros. C'est un secteur à enjeu parce qu'on a identifié un certain nombre d'activités qui peuvent être en mutabilité. Le long du boulevard Général Leclerc, vous avez un certain nombre d'activités économiques qui peuvent, à court, moyen ou long terme, muter. Nous avons une pépinière, un marchand de véhicules électriques, une activité également de lavage de véhicules. Ces activités, effectivement, peuvent se transformer.
Un autre élément de ce périmètre, c'est ce qu'on appelle le Square Léon Blum, qui est constitué également de l'allée des combattants d'outre-mer, donc face à l'entrée du cimetière, qui comporte une très belle allée paysagère, qui donne une jolie perspective également sur les coteaux du Beaujolais, avec un certain nombre de stationnements, de poches de stationnement un petit peu partout. Une réflexion peut-être à mener d'ailleurs autour de la restructuration du stationnement. La rue Roncevaux aussi, où on a déjà repéré des velléités de promoteurs de faire muter certaines parcelles. Et puis un petit peu plus au sud, qui est la fin de la limite, vous avez le passage vers le parc de Belle Province, qui est un square public, qui n'est pas forcément très connu de nos habitants, mais qui mérite sans doute une mise en valeur. Donc tout ce secteur, nous souhaitons effectivement être proactifs, ne pas attendre que ce soit les promoteurs qui nous dictent effectivement le calendrier et le type d'aménagement possible. Nous souhaitons vraiment garder la main. Donc le rapport de ce soir, et comme celui qui suit, c'est la désignation d'un périmètre d'étude en vue de l'inscription d'une opération, d'une ce qu'on appelle une OAP, opération d'aménagement et de programmation. Elle fait suite en fait à une OAP déjà existante autour de la place Claude Bernard, et donc nous souhaitons l'étendre. Sur un plan juridique, ça nous permet d'instituer ce qu'on appelle un sursis à statuer, c'est-à-dire s'il y a une opération qui se présente à nous, nous pouvons la refuser en attente de définir véritablement nos propres orientations. Donc le déroulé de ce dossier, c'est ce soir le vote de ce périmètre en rouge sur votre plan. On va simplement voter sur le périmètre tel que défini, sur le plan que vous avez sous les yeux. Ensuite, on a 2 ans pour procéder à une étude de cadrage urbain. Donc on va désigner un opérateur avec qui on va travailler pour effectivement traduire notre volonté politique de l'aménagement de cette zone. Et puis après, on pourra traduire cette volonté à travers une OAP dans le futur PLU-IH. Donc ce soir, vous êtes appelés donc, à prendre en considération la mise à l'étude d'une opération d'aménagement sur le secteur que je vous ai présenté, d'approuver le périmètre d'étude sur le plan qui est joint, de prendre acte du lancement d'une étude de cadrage urbain que l'on va lancer là, dans les semaines qui viennent, acter effectivement que nous avons maintenant un outil juridique, ce qu'on appelle donc un sursis à statuer, et puis à terme, toute cette procédure sera reportée dans le PLU. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité, l'OAP de la gare. Alors, je ne vais pas repréciser toute la procédure, puisque c'est strictement la même. Ce qui est juste intéressant, on l'avait évoqué déjà en commission, c'est le périmètre. On a actuellement une OAP qui existe sur le secteur qu'on appelle Sud-Gare, donc qui court du rond-point des chantiers, pour faire simple, jusqu'au parking Grange-Blazet. L'objectif de la ville aujourd'hui, c'est d'étendre cette OAP dans les prochains mois, l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que cette OAP, c'est un outil d'aménagement, c'est un outil de surveillance qui nous permet de définir des priorités dans le cadre d'une zone d'aménagement. C'est un secteur, la gare, qui va connaître des mutations importantes, qui a déjà commencé. On a une pression foncière qui est extrêmement importante également, avec des terrains qui aiguisent beaucoup d'appétit. Et puis, voilà, une articulation avec le secteur du Martelet, le secteur de la gare, la présence d'un ensemble de commerces importants, qui fait qu'il est extrêmement dynamique. Donc, pour toutes ces raisons, on souhaite pouvoir étendre l'OAP. Dans ce cadre-là, on doit à la fois actualiser et compléter les études. On avait évidemment des études existantes qui avaient permis de donner un certain nombre d'indications dans le cadre des aménagements sur le sud de cette OAP. Aujourd'hui, la ville a donc lancé une étude pour réaliser un diagnostic patrimonial, et en particulier sur le nord de cette OAP, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'île aux gares, tout ce qui est entre la rue Antoine Arnault et la rue de la Gare, et puis d'autre part entre la rue Danse et la rue Grange-Blazet. Et puis ces éléments-là d'études nous permettront de coordonner une vision globale d'aménagement sur ce secteur-là, qui sera articulée évidemment aussi avec la réflexion de l'agglomération, qui elle pilote toute la réflexion sur l'est de la voie ferrée. Et cela nous permettra de formuler une copie complète pour l'aménagement de ce quartier, qui sera une
porte d'entrée de l'agglomération et de la ville à plus d'un titre. Dans ce cadre-là, donc, on vous propose d'avoir ce levier qui est la définition d'un périmètre d'études qui permet d'opposer à titre conservatoire et dans l'attente de la mise en œuvre de l'opération d'aménagement d'ensemble un sursis à statuer, ce qui est un vrai levier de maîtrise de notre aménagement. Merci. Des questions, des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité. Rétro-vente d'un terrain par la commune, Madame Garcia, Monsieur Doram, 67, impasse de la Quarantaine. Nous sommes donc dans l'écoquartier. Vous avez le plan également. La parcelle 545, c'est là où nous avons les brasseries que nous ne pouvons malheureusement plus fréquenter. Donc nous sommes juste à l'arrière de ces brasseries. Il s'agit de ce qu'on appelle un délaissé de terrain. C'est une petite parcelle qui fait l'angle en fait entre la voirie nouvelle qui permet de desservir à l'arrière et de d'alimenter les commerces sur leur partie arrière. Cette parcelle, en fait, les précédents propriétaires en avaient la jouissance sans être propriétaire. Pour la ville, elle ne présente aucun intérêt puisque ça serait une charge supplémentaire à l'entretenir. Les nouveaux propriétaires se sont portés acquéreurs. Nous leur avons dit que nous ne souhaitions pas voir muter cette parcelle, c'est-à-dire que nous voulons la garder en non-constructibilité, simplement d'avoir un espace vert supplémentaire, mais à la charge de l'entretien par les riverains. Nous avons donc évalué le prix de cette parcelle avec l'aide du service des domaines à 37,50 euros le mètre carré. Dans les actes, nous prévoyons donc de mettre une clause pour effectivement rendre cette parcelle inconstructible. Et donc nous vous proposons ce soir d'autoriser la vente de cette emprise de 155 mètres carrés sur cette parcelle cadastrée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, des oppositions, des abstentions, adopter l'unanimité. Merci. Madame Reynaud. Oui, il s'agit d'attribuer un lot du parking du Promenoir. Donc, lors de la séance du Conseil du 19 juin, vous aviez voté un montant total de travaux de 5 078 600 euros hors taxes en valeur décembre 2018. À l'issue de l'appel d'offres lancé en juin 2020, seuls 12 lots sur 13 ont été attribués. En effet, le lot 12 électricité, dont les offres étaient largement supérieures à l'estimation, avait été déclaré sans suite. Donc une nouvelle estimation a été réévaluée à 372 375 euros hors taxes. Et au terme de cette nouvelle consultation, nous proposons d'attribuer donc ce lot 12 électricité à la société Tertielle pour un montant de 356 014,40 euros, ce qui est le nouveau montant de travaux global, du coup, s'élèverait à 5 286 894,40 euros. Et le conseil est appelé à autoriser le maire à signer le marché de ce lot électricité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Des oppositions ? 4. Des abstentions adoptées par les assemblées. Merci. Convention constitutive d'un groupement de communes dans plusieurs communes pour l'achat des uniformes, d'accessoires et d'équipements de protection pour les agents de la police municipale. Oui. Donc, effectivement, c'est dans le prolongement des rapports d'Alexandre. Je pense qu'il aurait même pu le porter, ce rapport, parce que c'est un peu la même chose. En fait, on propose à un certain nombre de communes, effectivement, un groupement de commandes pour les achats de matériel de protection et de sécurité pour les agents de police. Donc ça concerne Jassan, Glaizé, Arnas, Lima, Anse, Montmerle-sur-Saône. Villefranche donc, va encadrer cette procédure et sera coordonnateur des opérations. Ça sera dans le cadre de marché adapté à un bon de commande, pardon. Donc le conseil municipal est appelé à accepter le principe de la constitution d'un groupement de commandes pour la passation d'un accord cadre à bon de commande pour l'achat d'uniformes, accessoires et équipements de protection pour la police municipale de ces communes. Autoriser Monsieur le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes et tous les documents s'y rapportant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité. Merci. Convention de mise à disposition de locaux à passer entre la commune de Villefranche, département du Rhône, Institut Vermorel pour l'installation de deux bureaux de vote pour les élections des conseillers départementaux et régionaux des 13 et 20 juin 2021. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir.
Il s'agit là de s'organiser pour les prochaines élections. Comme vous le savez, nous avons deux scrutins à porter sur l'ensemble de nos bureaux de vote. Sachez que nous avons 21 bureaux de vote et que sur ces 21 bureaux de vote, il y en a 7 qui ne permettent pas d'envisager ce double scrutin dans de bonnes conditions. Dans ce contexte, il est préconisé de transférer temporairement ces 7 bureaux dans des locaux plus spacieux, à des adresses différentes des adresses initialement prévues. Et parmi ces 7 bureaux, 2 seront délocalisés dans des sites qui n'appartiennent pas à la ville. Dans ce cadre, il faudra signer une convention, une première avec le département concernant le bureau 11, qui habituellement était installé dans la salle de la Salamande, rue Danse, qui sera transféré dans le gymnase du collège Jean Moulin. Et le bureau 21, habituellement installé dans la salle de la mutualité, boulevard Vermorel, qui sera transféré dans la salle des fresques de l'Institut Vermorel. Donc ces deux conventions seront respectivement signées avec le département du Rhône et avec l'Institut Vermorel. Il est prévu également à ce titre une communication auprès des électeurs concernés qui seront informés par courrier quelques jours avant le scrutin et une information par affichage, sur les bureaux de vote initialement prévus. Voilà, donc dans ce contexte-là, je propose au Conseil effectivement qui est appelé à approuver les termes des conventions de mise à disposition de ces locaux et d'autoriser Monsieur le maire à les signer. Voilà. Alors, on laisse le rappeur quand même, parce que bon, je ne sais pas, moi, je ne sais pas lire dans le marque-café, donc je ne sais pas si les élections auront lieu. Il y a un débat demain, mais surtout, deuxième chose, c'est qu'a priori, s'il y a élection, ça sera même un petit peu plus compliqué, puisqu'il faudra 2 salles de dépouillement pour chaque bureau. Donc, voilà, on aura beaucoup reconventionné d'ailleurs. Donc, ça va revenir sur la table, mais bon, c'est au moins celles-là sont faites. Et puis, comme ça, je vous préviens par contre de prévoir beaucoup de temps pour tenir les bureaux de vote la prochaine fois. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité? Merci. Transformation d'emploi permanent, Madame Lutz. Eh oui, tout à fait. Nous avons décidé d'offrir la chance aux opérateurs de vidéoprotection, aux chargés d'opérations de travaux et aux archivistes chargés du traitement et de valorisation des fonds d'être recrutés plus facilement ou de pouvoir profiter d'un cadre d'emploi plus élargi. Tout cela pour des temps complets. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité? Campagne de recours au contrat d'apprentissage, Madame Lutz. C'est un ajout à notre délibération, puisque nous souhaitons accueillir à la direction de l'accueil et de la relation de l'usager, donc au centre de contact, un apprenti qui serait donc à terme ou titulaire d'un BTS, d'un bac pro ou d'une licence. Et cette durée de formation pourrait être de 2 ans. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité? J'ai reçu une question orale du groupe Villefranche Autrement avec vous. Qui est-ce qui la lit pour le groupe? C'est vous, Madame Montagnier, je vous en prie. Oui, merci. La désertification médicale est une question récurrente et la situation s'aggrave. En effet, 6 à 8 millions de Français vivent dans un désert médical. Sur le long terme, les conséquences sanitaires et sociales sont désastreuses. On pense très souvent que les déserts médicaux se trouvent plutôt à la campagne, dans des villages en train de se dépeupler, sans école, sans services publics. La réalité est tout autre. Les déserts médicaux sont partout. Et si nous ne réagissons pas, l'est de Villefranche risque de devenir à très court terme un désert médical, et ce, au détriment des publics les plus vulnérables de notre ville. Un article récent du Progrès annonce le départ d'un médecin généraliste dont le cabinet est implanté au cœur de Béligny, peuplé de 6630 habitants. Il ne restera plus qu'un seul médecin qui a d'ores et déjà indiqué ne plus pouvoir accueillir de nouveaux patients.
On ne peut accepter un tel déséquilibre de l'offre sanitaire sur notre ville, notamment en pensant aux familles monoparentales, aux mères isolées, aux personnes âgées habitant à l'est de la ville, sans moyens de locomotion, et pour qui la concentration de l'offre de généralistes dans le centre-ville, la totalité de l'offre hospitalière située sur le nord-ouest, engendreront un véritable facteur de renoncement à se faire soigner. Face à l'aggravation de la désertification médicale, de nombreux élus ont décidé de prendre le dossier à bras le corps et d'échanger avec tous les acteurs concernés, du secteur médical aux patients. Ils ont trouvé des solutions nouvelles qui vont de l'accompagnement des professionnels de santé prêts à investir dans leur outil de travail au salariat de médecins par la collectivité, en passant par la création d'une maison de santé. Monsieur le maire, devant ce risque évident d'absence d'offres sanitaires sur tout l'est de la ville et également face aux difficultés des Caladois à trouver un médecin généraliste dans notre ville, quelles actions menez-vous ou quels projets portez-vous afin de conserver ou développer une offre de santé adaptée dans notre commune et en particulier à Béligny ? Merci madame pour la lecture de cette question. D'abord vous dire que non seulement on en est soucieux, mais on l'a d'ailleurs abordé ce sujet, je crois, avant l'article du programme, puisqu'on a dû l'aborder lors de la séance sur le débat d'orientation budgétaire, d'ailleurs, où j'ai abordé cette question, si ma mémoire est bonne. On l'a abordé d'ailleurs à d'autres reprises aussi, lors d'autres réunions, puisque le départ programmé d'un des médecins généralistes, que j'avais d'ailleurs eu au téléphone, puisque c'était un départ programmé, c'était pas forcément lié d'ailleurs à l'incident qu'elle avait connu dans son cabinet, mais qui malheureusement partait dans une autre région, hein, qui avait du mal à trouver un repreneur à ce moment-là. Vous dire que je suis tout à fait, moi, disposé à l'ouverture d'une maison de santé. On avait d'ailleurs ouvert des discussions avec certains bailleurs sociaux, hein, qui sont situés sur le secteur là-bas pour justement la mise à disposition de locaux. Même parler avec le département du Rhône pour voir si le site de la MDR qui est situé à Condorcet pourrait accueillir. Et j'avais d'ailleurs proposé à l'époque, au moment du sinistre, que le médecin puisse être relocalisé là-bas provisoirement. Ça n'avait pas été nécessaire. En réalité, ce n'est pas tellement un problème de locaux. Il faut être très clair, au contraire, des locaux, il y en a, et même à bas prix, avec un certain nombre de partenaires publics. Mais je le dis, si nous devions aussi faire un effort sur ce plan-là, comme nous le faisons à Belleroche, hein, puisque la ville de Villefranche mettra 100 000 euros en complément de l'aide d'ailleurs régionale sur le projet de maison de santé, hein, qui va démarrer d'ici la fin de l'année. S'il faut faire la même chose en termes matériels et en termes d'investissement, nous avions indiqué que nous étions disposés à le faire. Sur l'aide financière en fonctionnement, de suite, il y a des dispositifs qui existent. Clairement, un certain nombre de maisons de santé sur notre territoire qui bénéficient, alors j'ai plus tous les chiffres en tête, mais l'ARS finance l'équivalent d'un certain nombre de postes administratifs à condition qu'il y ait au moins deux médecins généralistes et un certain nombre de spécialistes. Donc l'aide, j'allais dire, en termes d'implantation de bâtiments, nous sommes tout à fait prêts à y aller. L'aide financière en termes de fonctionnement pour faciliter l'implantation, elle existe par le biais des agences régionales de santé. La difficulté, c'est de trouver des praticiens formés qui veulent s'implanter sur notre secteur. Elle est là, la difficulté. Moi, j'ai vu amener la discussion avec notamment la faculté de médecine dans d'autres responsabilités, notamment départementales, non seulement de moins en moins de médecins formés, de moins en moins qui veulent aller sur les territoires, soit ruraux, soit dits difficiles. Et en plus, on a aussi un deuxième phénomène qui est la réduction de patientèle par médecin. Le médecin général ne s'exerce plus exactement de la même manière que ça pouvait être le cas préalablement. Le recours aux médecins salariés de la collectivité, j'aimerais bien vous dire que c'est une solution, et si c'en était une, je n'ai aucun dogmatisme par rapport à ça, et je serais tout à fait disposé à en discuter, à l'envisager. Mais pour être également vice-président du département en charge des questions notamment du handicap et des personnes âgées, je peux vous dire à quel point nous sommes dans la très grande difficulté pour recruter des médecins dans le cadre des grilles de la fonction publique, hein, qui n'est pas forcément un statut particulièrement
positif et encourageant sur le plan financier. Donc le problème est un peu plus large que le statut. On a la chance par contre désormais d'avoir un vrai interlocuteur sur le secteur là-dessus, puisque la communauté des professionnels, la CPTS, Beaujolais Dombes, donc qui regroupe à la fois les médecins, les infirmiers, etc., a été formalisé il y a seulement quelques mois. D'ailleurs, c'est la deuxième du département et de la métropole à être concrétisée. Il y en avait déjà une dans l'Est lyonnais. Il faut qu'on puisse reprendre langue effectivement avec eux, par la manière dont on peut sensibiliser et réattirer. Je vous dis, on prendra notre part à cet effort s'il faut le faire, mais faut-il avoir un interlocuteur en face qui soit prêt à venir s'y installer, qu'on puisse essayer de l'attirer. C'est d'abord le premier enjeu. Il y a tout un tas de petits effets leviers qui peuvent exister pour avoir encore une fois échangé avec un certain nombre de professionnels, notamment les spécialistes. On sait que, par exemple, à chaque fois qu'on a un maître de stage, par exemple, sur le territoire, c'est un jeune qui vient faire son stage dans un cabinet local et qui, du coup, ensuite s'implante. Donc, il y a un vrai travail partenarial à faire avec la CPTS. Il faut avouer que ces derniers mois, on a parlé de beaucoup de choses avec la CPTS. Ils nous ont aidés sur la mise en place des centres de dépistage. Ils sont très mobilisés actuellement sur le centre de vaccination à l'Escale. Mais effectivement, on reprendra contact avec eux très, très rapidement. Pour trouver des solutions, moi, je ne ferme et je ne nous interdis aucune action. Encore une fois, en termes d'investissement pour des locaux, on était prêt à le faire, comme on le fait d'ailleurs ailleurs, on le prouve. Sur les financements de l'État par l'ARS, ils existent, ils fonctionnent et on sait qu'ils peuvent répondre aux attentes. Il faut qu'on arrive à trouver les bons interlocuteurs pour faciliter des implantations de ce type. Mais c'est un vrai sujet qu'on avait soulevé d'ailleurs ici même, parce qu'il est effectivement extrêmement important sur l'accès aux soins et en termes de prévention santé, parce qu'on est très bon en santé, des fois un tout petit peu moins en prévention, et le soin de proximité en fait partie aussi. Merci en tout cas pour cette question. Merci pour vos participations les uns et les autres. Et je vous souhaite un bon retour chez vous.